Un. Et yo! Merde, je trouvais plus ma touche. Et Salut! yo! Je prends plus ma touche! Panique! Exia is panicking! Ah, bonsoir, 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 bonsoir! Voilà. J'ai un ticket, mais j'ai jamais vu encore l'aluminium dans le jeu. Genre, c'est un stage que j'ai jamais atteint encore, l'aluminium. Sérieux? Moi j'ai déjà fait. C'est après. C'est juste avant le nucléaire, mais moi. Ouais, Bon, mais après. j'ai jamais dépassé les trains. Hein. Le tier 6, c'est le plus loin que j'ai été. Hein. Dépasser les trains. Attends, on n'avait pas commencé à faire des moteurs quelque part? Si, mais même, on a une production de moteurs, mais je ne sais plus où elle Ouais, est. moi non plus. C'est vrai que j'avais fait une énorme usine à moteurs, mais j'ai oublié où elle était. Visite perdue. C'est ça, on se file de suivre les câbles. Normalement, y a pas 10 000 destinations pour les câbles. Ouais, Normalement. ouais. Je trouve plus les câbles. Les câbles. Ah, c'est bon. Je sais qu'on avait un gros pôle de câbles qui allait quelque part, mais je sais plus où il allait. Il va toutes les. Il y en a partout des câbles. Hein. On commence à avoir le Un peu Londres. colonisé. Le vieux Londres avec les câbles absolument partout. Ah oui. Ah! Non, remonte. Merci. Ou le Japon, ça dépend. Le Japon avec ses. Je vous jure, le Japon, tu peux le reconnaître juste à leurs poteaux électriques sont recouverts. Je sais pas pourquoi. Parce que les câbles, c'est cool. Je crois. Attends, de mémoire, c'était derrière la. Attends, tu sais quoi? Et au pire. Une Hop. chance sur deux, j'ai pris une Ah. direction. Que dit la carte? Bah, la carte, on n'a pas indiqué nos usines. Si, si, moi je l'ai indiqué celle-là. Enfin, c'est stylé les usines de Sora, elles sont belles, putain. Ah non, bah il dit À plus. ce sujet, qu'est-ce que je fais moi? Je sais pas ce qu'on a besoin là, je t'avoue. Moi déjà, je me suis rappelé que j'allais fallait faire les PC, si tu veux. Ouais, mais d'abord, il faut chercher l'usine des moteurs. Premier objectif, trouver l'usine des moteurs. J'ai dû se rappeler d'où est-ce qu'on a foutu ces putains d'usines. Et en Le fait, on n'a pas dit sur quoi on était. On est sur Satisfactory avec Isha et Sora. oh, les Heureusement. présentations. Oui, bon, à force, oui. Je commence à avoir le mood de deux jeux que j'ai là, le Lobotomy et Helldiver, ils ont la même idée, c'est que c'est tes collègues, ils ont plus de collègues. Ils sont morts hein, déjà, t'as pas eu le temps de leur dire leur nom, ils sont déjà morts. Même s'il y en a, les morts sont un peu plus atroces que les autres. Lobotomie? Oui. 9. Bah, j'ai une game, j'ai une fin de journée, il y en a, il a été sacrifié d'agent, je faisais un peu la gueule. T'as déjà joué à XCOM 2? Alors oui. Et je suis exécrable. Ouais, mais en coup de sacrifice de collègues, on est pas mal aussi. Hein. Je vois que sa Même. musique est pas un peu forte. Oui, il faut que je vérifie les courbes. Attends, je vais me poser là. Et déjà, on n'entend pas la musique. Super. Oh. Super. Il capte pas la musique. C'est l'usine à qui ça? Laquelle? Je sais pas, il y a une usine, elle est orange. Okay. Ah, c'est une usine à poudre noire, ça, toi, Isha. Même exécutable. Voilà, même exécutable, voilà, ça a changé On peut comme ça. voir aussi grand. Le son du Ah oui, la jeu. musique est un peu forte, oui. Le son Elle est du le jeu. même niveau que ma voix, elle est deux fois plus forte que le jeu, what the fuck. Voilà, c'est mieux là. Voilà, il Donc faudra que je voilà. pense à chaque fois quand je fais un switch de checker mes sons. Ah. Oh. Ok, chef, faudrait aussi que tu penses à ton usine à quartz à la remettre à la bonne couleur. T'es en train de marcher avec ton Une usine à parachute, quartz ou magnifique. l'usine à. Ah, poudre noire, oh là là, cocaïne. Non, c'est pas noir la cocaïne. Ça Je dépend de râle. la pureté, si elle est vraiment dégueulasse, elle est noire. Oh non, mais là c'est même plus une question de pureté, là. Il y a eu un échec critique, là. Une question de pureté. Je donne une poudre noire, mais qu'est-ce qu'il Comment y a du ça, le terrasse du charbon Zoff? mélangé avec. Comment ça? Qui m'attaque? Qui mérite de mourir? Je sais plus c'est quel câble qui va où, bordel. Je crois que c'est celui-là que je dois prendre. Ouais. Oh fuck.
Je sens vraiment, genre là j'ai mon cerveau, il est redescendu un peu trop bas d'un coup. Là je vais être un peu lent à la réaction, lent au cerveau et tout ça, ça va être terrible. Je sais plus où je vais. Qui suis-je? Non mais j'ai l'impression de découvrir un nouvel endroit, donc c'est pas bon. Quand tu suis les câbles? Ouais, mais je me rappelais pas d'avoir vu ton usine à poudre en fait. C'est parce qu'elle a changé. Avant, elle ressemblait pas à ça, c'est pour ça. Ah mais en fait non, parce que le câble s'arrête là, donc en fait je pense que vraiment je suis pas au bon endroit. Ah si ah oui, effectivement, si t'arrives au charbon, effectivement c'est pas normal. Ah non, bah non. Richard. Oui. Du coup, je vais parler avec mon chat. Tu vas utiliser le chat du jeu pour me prévenir qu'il y a quelque chose. D'accord. Bah du coup, tu vas faire quoi? Tu sais ce que tu as? T'as une idée de ce que tu voulais faire? Absolument aucune idée. Du coup, tu vas être mon maître d'œuvre. Mais si tu veux, Oui. qu'est-ce qu'on peut faire? Je suis en train de réfléchir les matériaux qu'on a besoin. Que les 4, c'est exact qui va les faire. Je sais Alors, que j'ai trouvé elle met les un cadres. veto instant. Oui, les cadres lourds. Ouais, il y a moyen. Et J'ai trouvé de l'uranium. tu vas nous mettre un veto avant même qu'on ait fini de parler, donc. Qu'est-ce qu'on aurait besoin? Je suis en train de Déjà, faut que je réfléchir. retrouve l'usine à moteur, en fait. C'est pour ça le problème. Ah, je sais. Tu vois les trucs qu'on doit en avoir 2500, Sora? En haut, dans la Ah, phase 3. les pouvoirs, les méga, les Les méga, poutres qui les coûtent méga pas poutres là. pas cher de souvenir Quand même un peu. un peu mais je veux dire par rapport au truc à côté c'est faisable. Je m'approchais d'un endroit pour pouvoir être débarqué tranquillement. Attends, ça s'appelle Du coup, comment? mais elle s'est suicidée, J'aurais cette pas le temps de conne. parler. Pardon, non, c'est pas ça. Il y a une araignée qui m'a sauté dessus, elle a sauté dans le vide. Elle s'appelle comment les trucs? Attends, phase 3. Non, si je tape cookie cherche et phase 3, c'est quoi? Il Comment s'appelle ces bims? Non, c'est. Bah, au pire, on va voir dans le. Mais je viens d'arriver à mon usine, t'as chatique. Bon, attends, bouge pas. Tu veux me faire produire des trucs, c'est ça? Tu vois le truc tout en haut à gauche? Celui où on en a 2500. Est-ce que tu peux regarder si il est possible de faire une usine pour les produire? Genre vraiment les C'est méga produits. chaud. Et attends, j'ai pas dit de produire efficacement, j'ai dit de produire. Ouais, coucou Quintus, c'est pas parce que t'es une araignée que t'as pas de Attends. problème. Tu veux me faire produire des trucs, c'est ça? Je vais te dire le nom de l'objet. C'est Tu le vois en haut à gauche, c'est le Je bim où crois on a c'est. 2500 à faire. Je crois que c'est frais, moi, comme ça. C'est pas quater frais, moi, comme genre. Je suis en train de dropper. Je me disais, mais il est où là? Vraiment qu'on Je sais mette des plus. balises sur nos bonnes usines. Hein. Comme ça, on sait les identifier direct. Je viens Alors. de trouver un endroit, il y a 5 Bah minerais non, je... Ah, de. putain, là-bas. C'est chiant que tu peux pas cliquer sur l'interface pour choper le. Putain, le truc de l'appel téléphonique à tout moment, il me fait peur. J'ai peur de louper, quoi. Je suis dessus. Alors, ça s'appelle Sacré comment? merde. Versatile Framework. Alors, Framework, qu'est-ce qu'on. Ok, qu'est-ce que ça On demande? me clock back pas. Alors, On meurt. Sora, On meurt. qu'est-ce qu'as-tu Et. fait à côté? Donc du coup, il faut que tu arrives à faire des versatile framework. On meurt tellement fort qu'on donne pas le loot. Ah Tu, si, déjà le loot. si tu veux, j'ai du charbon prenable au niveau de mon usine de poudre à canon. J'ai plein de Faudrait charbon qui est prenable. plutôt attendre qu'on ait des centrales à pétrole. Ça peut aussi, mais du coup, si tu veux, tu peux essayer de faire au niveau. Alors, il faut aller jusqu'au truc de pétrole là où il y a le plastique pour faire les circuit board. C'est du cuivre et du fer, enfin et du plastique. C'est pas compliqué, mais il en faut une grosse quantité. Donc, faut un truc qui consomme pas tout, mais qu'on consomme un peu quand même. L'idéal, ça serait une vingtaine par minute au début. Je crois que c'est ça à peu près ce qu'il nous faut. Oh, j'ai Ah, mal j'ai à du la charbon tête là si là. tu veux. Hein? Attends, laisse-moi prendre des J'ai du charbon déchets. là où je suis. Oui, mais le charbon il est loin de tout en fait, c'est ça le truc. Oh, ouais, vite Cela. fait.
On va pouvoir faire... j'ai surtout bien gardé. Hein. On va pouvoir faire plus d'usines de mètres d'acier quand on aura le pétrole. C'est pour ça, il est pas bête. Il est pas bête. Pardon, comment ? Ouais, normal. Ouais, ah, je sais pourquoi je vais besoin de faire le truc là. C'était pour la poudre sans fumée. Ah, oui. On n'a pas la raffinerie. Ah si, on l'a, attends. Bon, je... plus tard, je crois que c'était peut-être pour faire un pipeline, mais ouais, il faut qu'on ait des circuit boards, donc c'est au niveau de l'usine à plastique, le pétrole qu'on avait fait. Ça va pas être au bon endroit du tout. Ok, je vais voir ce que je peux faire. Oh, t'inquiète pas, c'est uniquement du plastique et du cuivre qui est replié là, le cuivre qui est utilisé pour les tuyaux. Donc ça, c'est vraiment deux étapes au niveau du cuivre et tu récupères le plastique. Faut juste que tu prépares et après on verra. Il faut que tu penses qu'on aura peut-être besoin plus que 20. Donc pense en te disant, il y aura peut-être plus de demandes. Ah. Mais s'il n'y a pas de mine de cuivre. Il y a forcément. Il y a du cuivre à côté, je m'en rappelais. Il y avait du cuivre, il y avait tout là-bas. Ok, je vais faire ça. C'est super lointain et c'est une zone de pas lointain. Enfin, c'est une zone qui doit gérer elle-même. Donc, il y a du cuivre, du fer à côté. Le cuivre est peut-être pas ultra... Enfin, pas non plus à 2 cm, mais je crois qu'il est... Il est à 200 mètres max, je crois. Bah oui, c'est vrai que j'ai indiqué, mais le seul endroit qui est indiqué sur toute la carte, c'est la zone de pétrole, en vrai. Ça va, t'as pas besoin de chercher la direction. Il faudra vraiment qu'on fasse des... vraiment qu'on fasse des trucs, parce que là, ça y est, je suis perdu. Je vais me faire des balises. Je sens cette foutue grippe, mais elle m'a laissé un cadeau. Une bronchite asthmatique. Oh non, quel enfer. Cadeau. Décidément, t'as pas de chance, ma petite psycho. C'est pas ta saison. Hein. La saison est maudite. Maudite. Je vais nous faire quelques balises. Je vais en faire quelques-unes et je vais indiquer que les usines qui sont loin. Comme ça, on sait où elles sont. Voilà, 10 balises. Parce que je suis perdu. Alors, je vais... Deux souvenirs. Je vais retourner à la maison parce que je suis perdu. Je dis que c'est une bonne chose. Ouais, on peut prendre ça en positif. C'était pas oui, vers Stairway to Heaven, ton usine? Bah justement, je me demande, mais je suis perdu. Ok, bah moi je suis au chat du coup. Je sais déjà plus où est Stairway to Heaven. C'est simple, c'est le... Là où il y a la plateforme. Non, c'est pas ça, c'est que je sais pas où je suis. Bon, il y a genre trois directions différentes. Là où je suis, il y a genre tous les insectes du monde qui en ripop, donc il y a moyen que... Est-ce que t'es une zone rouge? Ah, ok. Non, bah, j'y étais, maintenant je suis dans du sable. Sable? Non, t'es pas du tout dans la bonne direction. Est-ce que je suis allé dans le désert? Bah non, je suis en train de revenir à la maison là. Ouais, de toute façon, c'est simple, Stairway to Heaven, c'est littéralement dans le spawn l'accès. Hein. Tu oui, t'as non, pas de dos moyen. Bah non, tu savais pas. C'est moi qui ai construit quand même Stairway to Heaven. Oui. Bah pourquoi tu l'as pas trouvé? Parce que je me fais aggro dans tous les coins, qui c'est qui m'attaque encore? Qui es-tu? Par contre on va avoir de la biologie pour le Awesome, ça va être trop bien là. Ouais. Tout ce que je récupère comme matériaux là. Vu que je chasse toutes les bestioles du pays, je suis en train de réduire l'écosystème à néant. La pizza, j'ai l'impression d'être une capitaliste. Tu l'as commandé à quelle heure? Ok, donc ça va faire à peu près une heure. J'ai l'impression d'être une américaine, c'est magnifique. T'as le Stairway to Heaven en bas là qui... Ah, oh, c'est l'autosave qui fait ramer le PC. Oh tiens, un petit... C'est soit là, soit derrière. Ah, je crois que j'ai trouvé. Je vois une énorme usine au loin, ouais. Au niveau de Stairway to Heaven. Ok. Là j'ai une usine, je vais regarder ce que c'est puis je vais la nommer. Le nom pourrait être changé après, mais là je vais la nommer. Bah tu peux l'appeler juste le nom de ce que ça produit hein, en vrai. Pourquoi mon PC il rame ce soir? Parce que la mort. Bah le jeu vient de freeze donc j'ai peur, ah, c'est bon. T'as pas un truc qui tourne en fond, hein, d'après vous? Non, non, après, je suis en train d'aller explorer loin, peut-être ça fait tirer un peu sur ton PC, peut-être, pour l'instant. Je génère pour la première fois, je fais un bail cette zone.
Batterie nid 200 MW. Ah putain, saloperie. Bon, je vais créer un biomass burner vite zef et puis. Ouais, la technique. Non, hein. 200 en 20. Il faut combien pour 20? Ça produit combien? 8? 3, 4. Je sais plus. Plus d'un en tout cas. Je le fais attaquer encore. Moi aussi. Aïe. Tu veux bien mourir? Merci. Les poseurs. Alors, ouais, genre... Ah putain, ça les pose. Ouais, ils sont. Je produis 2-3. On va voir. Les balises sont clairement buggées, tu les drops sans t'en rendre compte. C'est terrible. Magnifique. Ok, je vais leur tirer une des deux balises que j'ai posées, si je la vois. On va juste choper vite fait de l'herbe, tout comme ça, parce que rien à foutre de faire un machin qui va durer longtemps. Bon, je pars dans le désert et qu'il y a de la peau à côté. C'est quand tu dois alimenter un truc et que t'as rien à côté, t'as pas d'arbre avant 3 km, t'es en mode... Miam! Attendez-moi à masturber mon clavier. Bah attends, tu l'avais marqué, je le vois, usine moteur. Quoi? Ah, je la vois pas, moi. Je la vois pas, mais... Attends, est-ce que tu l'as réglé pour qu'elle se pop de loin? Attends, je vais mettre phare pour le marqueur. Ah oui, marqueur. Usine moteur, je la vois. Je viens de le mettre mais en... Putain, je viens de le mettre elle en... Elle avait pas pop tout oui, c'est parce que elle avait pas pop. Parce que t'as oublié de mettre le truc en infini ou en phare. Je l'ai mis en oh, infini. Oh, fuck à la mat... Pas qu'un de jeu de brin. C'est ce que j'ai fait avec mon usine, hein. Je l'ai mis en phare. Hein. En vrai, phare c'est bien. Problème. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis tombé à travers les trucs intangibles. Ah, t'inquiète pas, c'est normal, ça arrive. Bah oui, mais t'es mort? Je sais pas comment remonter. Attends, j'arrive, finesse. J'avais dit le sol, il est pas palpable. Ah, mais attends, c'est complètement bugué en fait. Ouais. Si je me colle aux parois, je pourrais monter avec le parachute. Ah oui, le parachute est un chouille buggé, d'après ce que j'ai remarqué, on peut monter avec le parachute, maintenant. C'est un peu un cheval de Skyrim, ce parachute. C'est ouais, ça, mais si on l'avait pas, on serait quand même bien coincé. Mais du coup, ouais, fais ah gaffe. Non, mais justement, c'est ça qui est trop bien, ouais. C'est que tu peux... Personne n'a mal parlé de lui, tu sais, hein. Au contraire, on l'a dit. Peur. Voilà. Mais du coup, j'ai un nouveau petit machin, vachement bien, pour récupérer des trucs. Coucou Aïssou. Du coup, comme je voulais, dire, c'est qu'il faut faire gaffe aux cailloux. Ils sont pas tangibles dans le jeu. Donc, si vous voyez un caillou au sol, ne marchez pas dessus. Même ouais, si le caillou est le sol. j'ai et du coup, comme j'ai fait mon objectif, j'arrive à l'usine à pétrole et je vais te dire ce qu'il y a autour. Hop, ça dégage la crête. Niveau copper. Bon, bah je vais chercher mon il est peut-être plus loin que je me souviens le copper. C'est 500 mètres. Je vais chercher mon usine à moteur finalement. Je vais aller chercher le copper qui traîne, Sora. T'inquiète pas, je vais te ramener un couloir. C'est un lac ça? Ah oui, c'est un lac. Ah, mais je suis à l'usine à charbon. Je suis bon maintenant. Je suis à la centrale à charbon de Sora. Je vais te ramener le cuivre, Sora, comme ça moi. Hein, pas besoin de le chercher. J'ai trouvé une mine à cuivre. Où ça? Oh, attends, j'y vais. Bah, c'est peut-être la même qu'on se dirige, celle qui a 500 mètres depuis le pétrole. Ah, je sais pas. T'as de la chance, on a littéralement les poteaux électriques qui passent au-dessus. Non, c'est pas celle-là, là. J'ai même un poteau électrique sur le truc de cuivre. Ça, c'est pas beau. Ok, bah je vais ramener le cuivre au pétrole. Voilà, allez. T'as la maison. Et le mien de cuivre de... Bah plus de cuivre, c'est jamais trop, non? Ok, ok. Ah. T'allais m'accuser de fourberie? Non, non. Attends, j'ai peut-être un problème, moi, de mon côté. Ah non, ça passe. Là, on leur coucou, Lunema! Merci pour ton lurk! Production. Non, c'est MAM qu'il me faut. Dans le MAM, c'est pas mon premier stream depuis 6 mois, là. Non, pas 6 mois, mais. Y'a l'idée. Ça fait. Ça va et toi ici? Je sais pas, ça fait. Ouais, ça fait bien une semaine que j'ai pas pu stream là avec. Ouais! D'où tu viens toi, l'araignée? Hop. On va poser un mineur MK2 ici, voilà. Et maintenant, le long chemin de retour. Oh putain, j'ai marché dans un caillou. Bon, je l'arrive. Alors,
mort, tu restes j'ai mort. Des explosifs sur moi ou pas? Ça va un peu fatigué. Oh. Le Boissou est fatigué. La screen depuis une semaine, on parle de moi. Aissou, tu es un cas particulier, on va dire. Oh, c'est un peu méchant, je suis désolé. C'est un peu méchant ce que je viens de dire. Ah, je vois Starway to Heaven. Ah, il y a du cuivre là. Il y a 3 minerais de cuivre. Ah oui. Juste avant Starway to Heaven. Ouch, il me fait mal. Prends des dégâts de gaz, mais je ne vois pas le gaz. Youhou. C'est du cyclohexane, c'est invisible à l'œil nu. Bon, je suis quand même passé. Hop. Bon, j'arrive avec le cuivre, Sora. Fais pas gaffe, c'est pas joli, mais on en a rien à faire pour le moment. Ma graisse. Ok. Là, les ordinateurs. Enfin. Les circuits, c'est le seul principe qu'on a pour l'instant, c'est que ça fonctionne. On a besoin d'ordinateur pour l'énergie. Hop, il arrive là. J'en fais ce que tu veux depuis ici. Je vais récupérer ça avant que le truc soit chiant. Je veux pas pick up les livres, je veux pick up. Hein, je crois que je reprenne les explosifs pour détruire les cailloux qui traînent là. J'ai compris. Bonne nourriture. Je me rends compte que j'entends le jeu en deux fois. Je n'ai aucun soin et je suis à 1 de vie. En soi, c'est vrai, j'ai une merde presque chaque jour, et comme il y a encore la famille à la maison, je dois faire le moins de bruit à partir d'un temps, oui. Ah, jeu, merci. Oui, ça, puis... pourquoi j'attends le jeu en deux fois? Vous entendez le jeu comment, vous? Normal. Ah, si vous le dites, moi. Non, je crois que c'est le chat, hein. J'ai la merde. Faut oublier que je suis cliniquement mort. Quoi, cliniquement mort? Alexia, pose pas de questions. Trop tard, maintenant on va poser des questions. Hey, Sora, Bébou, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Dis-toi, maman. Je suis mort. Oh ben non, putain, pourquoi? Le décès. En parlant de décès, le jeu a failli me tuer. Il me faut des temps du jeu, je crois pas l'entendre, mais la musique peut cacher. Non, tu me dis pas que tu entends carrément pas le son du jeu. Bah, moi, tu le vois sur OBS, non? Oui, mais moi j'ai OBS qui monte et qui descend, mais. Est-ce que t'as pas mis le retour sur OBS, sur quelque chose? C'est pour t'assurer que. Parce que j'ai le son d'OBS, donc. Si OBS avait un retour, il me le montrerait. Non, j'entends vraiment purement de mon PC le son en double. Salut Doc. Comment vas-tu? Hop, j'entends pas la tronçonneuse. Ce que j'ai fait n'a servi à rien, très bien. Ah. Ah, c'est moi juste deux minutes, observez magnifiquement ce plancher en métal. Moi je vais décasser quelque chose que j'ai certainement cassé en faisant de la merde. Bah c'est un Mac 2 à côté de toi. Du coup t'as vu où j'ai posé le cuivre, Sora, ou pas du tout? Voilà, et ça va me faire économiser un peu encore de puissance. Je suis toujours en train de travailler sur mon truc. Sur ton truc. Désolé, vous entendrez peut-être pas plus le jeu, mais il y a la musique, il y a nos voix, ça devrait suffire. sur ton truc. Mon truc. C'est-à-dire mon pont. Ah, ton pont, ok. Arrive. Mais je sais que tu as les poteaux électriques pour te déplacer jusqu'à l'usine. Oui, moi je veux un pont. Sora veut un pont, donnons un pont à Sora.
C'est par là. Hop. Bah, Isha qui va faire un pont. Ah putain, j'ai pas de cap sur moi. Ah non, je suis mort. Quoi? Ah non, mais j'étais mort, c'est pour ça que j'ai pas de câble. Juste qu'il m'avait tué. Qu'est-ce qui m'avait tué déjà? Ah oui, des abeilles. C'est... Je dirais que c'était la mort qui t'avait tué, Isha. Non, c'était des abeilles qui faisaient bzz, 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 bzz. Oh putain, il y en avait un autre en fait. C'est pour ça voilà, qu'il y en avait autant. J'ai trouvé un autre morceau de vaisseau. Putain, mais les abeilles, tu peux pas les contrer tant que t'as pas d'armes. C'est chiant. Oui. Ça va. J'ai deux hard drives. Waouh. Attends, bien. J'ai quitté là. Oh, j'ai perdu la connexion. Ah, c'est pour ça du coup que j'ai eu un gros freeze. Bah oui, parce qu'en fait, à chaque fois que je recharge, il y a personne au spawn. Du coup, tu recharges la zone. De mémoire, je crois que le spawn est full chargé. Hein. Je sais pas, mais en tout cas, chaque fois que je décédais, ça te faisait laguer. Donc. Ah, je relag. Oui, je suis en train de charger. Je t'ai dit, je charge le spawn à chaque fois, en fait. Ah, mais c'est marrant, parce qu'avant, je laguais pas autant. Hein. Après, on avait tout le temps quelqu'un en spawn, d'habitude. Je crois surtout, en fait, la map commence à être sale grosse. Oula, salement grosse, si j'oublie un bout de mot, ça change toute la phrase d'un coup. Pardon, il t'arrive où, ton cuivre? Là où il y a les abeilles, mes corps et tout ça. Il arrive où, ton cul? Pardon. Mais on n'a pas de soins qui traînent. Mais d'accord, c'est la ligne qui s'arrête au milieu de nulle part, là. Ouais. Et j'ai pas encore eu le temps d'alimenter... En électricité, parce que j'étais en train de chercher mes câbles avant que les abeilles me rebutent. Là, SU, c'est normal qu'il n'y ait pas de son. Je réglerai ça plus tard. C'est un petit problème de, je sais pas, en ce moment OBS veut plus détecter le son de mes jeux, alors j'essaie de passer par des méthodes alternatives. Et puis en même temps, d'un autre côté, je travaille sur 4 autres projets, donc je suis un peu en train de m'arracher les yeux et la tête en même temps. Je vais pas vous mentir que là en ce moment, entre le nouveau boulot plus les projets que je suis en train de vous préparer, ah, putain, aux petits oignons, dont un qu'il faut que je vois avec Isha, parce qu'avec Isha et qu'on était en train qu'on avait comme on dit, ah on va essayer de voir ça rapidement, et qu'en fait finalement on en a pu reparler, et ben. Compliqué, ok. Et là Isha est en mode. Je sais lequel tu parles, mais à chaque fois que je vois le message quand tu me le demandes, bah je peux pas. Tu sais, c'est quand il faut en plus un autre truc, il faut en plus un autre coup de main parce que je suis trop débile. Il faut en plus un autre coup de main de la part de Clappy, de Etna Clappy. Plus, enfin bref. Ça commence à devenir compliqué. Exactement, ce qu'elle peut, ok. Je trouve des batteries. Cool. Là mon live et mon côté ils ont le fun hein. Ça va faire 4 fois que je reviens en spawn et que je repars du spawn parce que je décède, enfin que je reviens en spawn par mort et refais le chemin. Ah mais je l'avais pas tout peint en plus. On va faire ça. Faut vraiment que je fasse... Je l'avais tellement marre, j'ai même pas peint la fin de mon usine. Faut vraiment que je fasse les mitrailleuses, mais putain les raffineries. Le kilomètre de soufre que je dois faire là, ça me fait chier. Le kilomètre de cul que je dois faire. Non mais je suis désolé, mais je dois passer une montagne, j'ai la flemme. D'un moment, même en camtar, c'est chiant. Hein. C'est quel bouton déjà le... Ah, voilà. Très bien, des dirigeables. Très bien, des avions, ouais. Ouais, de base... De base, il y a un truc de soufre qui est pas si loin, mais... Ah, attends, il y en a peut-être un de soufre au niveau du... Faut que je regarde. C'est quand le jeu, il ajoute des hélicoptères? C'est quand le jeu, il ajoute des Apaches? Hélicoptères de combat Apache. Rien que t'as été obligé de repréciser.
au cas oui, où. Oui, parce que j'ai pas des gens qui jouent tous les jours à War Thunder forcément sur mon stream. Bon, là j'ai Aesu, donc Aesu a certainement compris direct. Il n'y a pas que War Thunder qui a les Apaches. Hein. Oui, il y a. Il y a les Battlefield, il y a les Call of Duty techniquement aussi. Ouais, mais tu peux pas les piloter, donc c'est pas drôle. Tu es gunner dedans dans les derniers Call of. Tire. Tu les pilotes pas, c'est pas drôle. Moi, ce que j'aime, c'est faire. Alors. Je me jure, ma santé mentale va très bien. Moi non. Non. Mais toi, tu joues à des jeux débiles. Enfin, pas débiles. Débile. Des jeux qui te. Ouais, si, je te massacre le cerveau. Débile là. Ah, tu peux, hein, parce que c'est un peu la vérité. Coucou Nîmes, il y a des cowboys aussi qui ont des Apaches. Mon micro, tu vas arrêter de tomber. Ah, 4 de rubber, bah nickel, j'ai la base qu'il faut pour. Mais le micro il tombe. Voilà, c'est bon. Oh, des ordinateurs. Ouais. On a des computers. De plus en plus cassés, faut vraiment que j'essaie de. Prout. Qui a fait prout? Nîmes. Pas bien, Nîmes. Il y a des trucs incroyables. Ok, je vais. Là, je pense que c'est un hard drive, ça va être solide. Je le fais plus tard. Alors, vous avez un parfait exemple de pourquoi. Enfin, comment marche le TDAH. J'étais parti pour récupérer des moteurs. Je me suis perdu. Je suis arrivé au moteur. Qu'est-ce que je fais? Je peins mon usine. Ah, tu vois, t'as au moins atteint l'usine. C'est déjà un début. Mais c'est comme le fameux moment où. Le fameux moment où tu vas devant le frigo, tu vois, tu dis ah j'aimerais bien me faire ça à manger ce soir. T'arrives devant ton frigo et en fait ce que tu fais c'est tu laves ton frigo ou tu fais autre chose. Ou tu t'arrives devant le frigo et tu sais pas quoi faire, alors du coup tu refermes ton frigo. Après tu fais ah mais c'est vrai il y avait ça. Et du coup tu rouvres ton frigo. Et sauf qu'en fait t'oublies au moment où t'as ouvert la porte du frigo, du coup t'oublies, du coup tu refermes. Et tu fais ça pendant 20 minutes. Mais à la fin, tu pètes un câble parce que t'en as marre de ta vie et tu prends du cyanure et pouf, t'es mort. Je vais trop loin, c'est ça. Et marrant, c'est que des fois, tu me vois, genre, tu sais, je vais, tu vois, je m'éloigne de la cuisine et je regarde. Et en fait, c'est pas je cherche quelque chose, c'est je cherche ce que j'étais en train de chercher. je prends ma vie, je me meurs, je prends du recul et je me dis, il y a quelque chose là-dedans qui manque. Quoi? Quoi? Qu'est-ce que je suis en train de faire et pourquoi j'aurais besoin de quelque chose? Pourquoi je suis arrivé ici à chercher? Comment je suis arrivé à ce point-là de vie? Finalement, je n'avais pas de câble dans mon truc. Étrange. Mais est-ce que j'ai récupéré mon stuff au moins? Bah non. C'est ça qu'il fallait que je fasse. C'est ça que j'ai pas de câble. Smooth brain moment. Franchement, ceux qui nient mes docs et tout ça, je les plains. Ils voient une POV où vraiment je fais des allers-retours. Moi, ils voient une POV, je clique sur chacune de mes usines en mode. Mais tu peux maintenir appuyé? No shit. Non, mais moi je maintiens appuyé et je fais. Ça marche? Vraiment ta connerie? Tu peux aller assez vite ça en marche. Ça marche! T'as pris combien de temps pour faire tes usines? Je sais pas. On a vu comment je colorais si vite? Je sais pas moi, à part la magie de Satan! Et bah c'était le maintien du clic. Tu sais que tu demandais à Elodie un coup de main? Et c'est un hard drive! Wouh! On va lancer la recherche ici. Mmh. Another one. Je peux détruire le truc de recherche qui a lancé la recherche ou pas? Non, surtout pas. Techniquement, tu peux. Mais il y a des conséquences. Dans les faits, tu peux juste tout simplement détruire les recherches dans cette partie. Ok. Yeah. Voilà. Donc je vais en poser un côté de la zone à pétrole et puis je vais poser mon drive là. C'est ce qu'on appelle une mauvaise idée. Mauvaise idée. Un mauvaise idée.
Je vais faire péter la dynamite cet endroit là. Je crois que j'ai encore... Oui, j'en ai encore une. Tout va péter. Rêve obscur. Hein ? Pourquoi j'ai une plateforme ? T'as dit quoi ? J'ai dit rêve obscur. Bah il a pas sonné encore. Ah non, c'est Elodie. Oh. Pour parler de l'ascenseur orbital. Ok, Sora, c'est bon, le cuivre sort. Je répète, le cuivre sort. Je sais pas si m'entends. Non, bah non, il est parler avec son chat et il nous a encore mute. Parce qu'il nous aime pas. On l'invite, on l'appelle Bébou et il nous aime pas. Lui mute, ce n'est pas mon son, du coup je vous entends quand même. Mais du coup, ouais, le cuivre sort, si tu veux. D'accord. Je suis en train de d'amener mon cuivre aussi. Amène ton cul aussi, s'il te plaît. Quoi ? Non, pas tout de suite. Là-dessus, serait une peur terrible. Au secours. Wow. En vrai, c'est cool de me faire appeler Isha, j'aime bien. Je me suis dans un zoo, bio. On m'a volé mes ailes. Avant, j'avais des ailes, mais j'y avais passé par là. En vrai, techniquement, je pourrais plus ou moins te voler tes ailes. Hein. Fais attention. Oui, mais le problème, c'est que les ailes ont besoin de plumes frais et qui sont pas abîmées. Putain, tu m'as donné envie de faire un nouvel avatar. Non. Non, mais genre, tu vois, avec des ailes, genre avec des... Bah, des ailes charnues, du coup. Parce que, enfin, pas charnues, mais des plumées. Oui, du coup, je mets deux bâtons. Non, genre, tu vois, mais genre ça, mais genre, t'en as une, genre, il y a des morceaux... Non, mieux. Des ailes de chauve-souris, mais avec des plumes dessus à certains endroits. Un peu curse, mais cool. Tu veux pouvoir voler, quoi, c'est. Des plumes en plastique, PTDA. Pourquoi je veux tant de fuel de côté ? Il y en a zéro. Ouh, zéro de fuel à côté ? Il faut que je surveille que ça soit pas. Il n'y a pas eu un backup, tiens. Il n'y a plus de fuel qui arrive ici. Où est-ce que ça a reculé ? Ah, mais c'est le plastique, il a surchargé. Ah, pas que le plastique. Comment j'ai tout ça dans ce cas-là ? Ok, on a vraiment absolument tout surchargé. Ouais, il y a le plastique et le rubber. Il va falloir que je trouve un cas d'utilisation pour le rubber parce que sinon. Ah bah, chouette. Vous savez comment. Je vais en jeter un peu dans un sink pour l'instant. Moi j'ai 1 milliard de neurones lingotes là sur. What the fuck, dude? On va mettre des MK1. Je vais consommer un peu le enfin je vais défoncer un peu le rubber et le. Vas-y, défonce-le bien fort. On en a trop. Faut que les trucs tournent en fait donc. Vas-y. Alors ça les. Donc je gâche un peu, enfin je gâche des ressources. Techniquement je vous permets de faire des recherches aussi. Voilà. Ah, les moteurs. Prendre 100 moteurs. Ouais. Moteur et action. Exia. Moteur, action. Ah, attends, il y a un truc qui est pas peint. Je sais plus si c'est le drive. Hop, je lance la recherche. Non. Pas le N, c'est pas le C. C'est pas le V. Pas le. C'était le X. Bien sûr, comme peindre. En tout cas, là, la zone. Où... Couleur. Ok, c'est bon, ça commence à. C'est color. Je me demande si en vrai. Si en vrai, on produit pas plus que ce que je consomme là actuellement. I think. Maybe yes. Parce que là, je consomme 30 de chaque. Merci. Et je produis combien en tout ? Ça, c'est combien ? Ça me produit uniquement du fuel. Et après, me créer des résidus de plastique. Résidus de plastique, on n'a pas tant créé, donc ça va de toute façon. Alors, un beurre, on en produit 20 par minute. Effectivement, je vais mettre un MK2 du coup. Après, il faut que je trouve un endroit pour faire des renforcettes de machin chose. Mais je sais plus avec quoi ça se fait.
Je crois qu'il me faut du bâton. Il me faut du bâton. Non, il me faut du béton armé. Du béton. 4500 points par minute. Et B. Ah ouais. Il faut du fer. Il faut du béton. Bon bah si ça si ça fait 4500 tout du long, nickel. De l'eau. Parce que là je fais normalement 2, là ça fait 60-60, donc ça fait les 3 usines. Je vais vérifier que ça consomme pas trop non plus. Le but c'est pas de vider. Bon, faut... En tout cas là ça va commencer à reculer. Ouais ils sont c'est 30 par minute chacun aussi, il y en a 4, ouais non c'est bon, c'est bon. Je consommerai pas plus mais pour l'instant moins. Hop, alors maintenant que j'ai fait ça, qu'on a le Assom qui tourne à fond. Allons à droite, on va pas à droite. On va mettre le Assom Shop ici aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme truc? Alors... Dommage que tu peux pas juste m'attitiquer. Pas physique, tu vois. Tu puisses faire en sorte qu'ils soient dématérialisés et que tu puisses les utiliser n'importe où. Dématérialisé. Qu'est-ce qu'on veut comme potentiel truc? Un toit en... Ah non, on a besoin de silice, on n'a pas de silice. On va regarder un peu les trucs de recherche qu'on peut faire. Organisation, il y a les... Alors ça marche. Il y a les panneaux. Putain la vache, le nucléaire, le DNA, ça... En vrai, je vais faire les pipelines clean parce que c'est pas mal des pipelines clean. Ça fait le plastique, ça rapporte masse points là. Je viens de voir les coupons, ils montent à une vitesse. Mama. Bah, tu nous as fait un sacré pic aussi avec le DNA. Hein. T'as fait 7000. Hein. Ouais. Ah ouais, là on est passé à 7 d'un coup, putain. Alors, on a dit. Pic. Hop. Voilà. Les quarts batteries, on en a pas besoin. Les quarts batteries. Ah, j'ai trouvé des batteries donc pour le moment je les stocke dans le petit coffre. Je les stocke dans le petit coffre, on verra après. Ok. Est-ce que. On a des. Est-ce qu'il y a des fondations ou des murs que vous voulez? Quoi, on a un milliard de DNA capsules là, faut les donner ça. Voilà, je vais nettoyer mes pipelines en attendant. Tant que vous me dites qu'il y a des trucs que vous voulez. Tu veux qu'on ait quoi, pardon? Excuse-moi. Bah vous choisissez s'il y a un truc dans le Awesome Shop que vous avez besoin. Ah, dans le Awesome. I don't fucking know. Bon là on va avoir des points, puis on va savoir quoi en foutre parce que regarde. Cling, 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 cling. Ouais mais on sait jamais genre. Disney point. Cling, 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 cling. Là c'est parce que je suis en train de au passage nettoyer mes pipelines. Genre ils ont plus les indicateurs qui servent à rien en vrai. Bon. Attends, laisse-moi regarder deux secondes. D'ailleurs Sora, ouais tu vas être ravi. Les pipelines peuvent être propres maintenant sans truc au centre qui casse le fait qu'ils soient tout lisses. Moi j'aime mieux avec la pompe au centre, je trouve que c'est joli de voir la pompe faire. Bah. J'ai oublié comment on upgrade les convoyeurs. Tu prends le convoyeur amélioré et tu cliques dessus. Pourquoi tu vibres téléphone? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que tu veux? D'accord, quelqu'un m'a envoyé du pont. Très bien. Yes. Magnifique. Je m'attendais pas. Oui, il n'est pas oui. Alors, hop. Plus de pipeline, plus de pipeline clean. On a la boombox? Je crois pas. Ouais, en vrai, Balek. Non, mais prends ce que tu veux. Bah alors si je demande, c'est que moi perso j'ai pas de truc que je veux, mais... Ouais, moi non plus, donc moi je dis, on économise pour le moment, on verra après. Parce que dans les décorations de l'Awesome, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux? Attends, faut que je le regarde. Arrête de te perdre avec Zia, on avait dit, il faut les...
Les trucs. Pardon, j'ai décoloré tes trucs sans faire exprès. Hein. J'étais en train de nettoyer. Du coup, de l'acier. Je pense que c'est bon ici niveau pipeline. Il faut des tubes en acier. C'est mignon. Mais Ah, on a vraiment de quoi faire, hein, crois-moi. Est-ce que si tu les ajoutes dans la liste d'achat, je les ai en liste d'achat aussi? Je suis en train de voir tout ce qu'il faut pour faire les frames, mais je me dis en faire une usine, ça va être long. Tu as dit quoi, Sarah? Ok. J'ai envie de pleurer quand je vois comment faut faire. Quoi? Ah, mais non! Attends. Les street lights. Les street lights. Ok, street lights. Ah, si, on en a. Dans architecture. On va avoir également Pourquoi Sora elle est si bas niveau son? Parce que Sora ne parle pas fort, Sora est en train de mourir intérieurement je suppose. Et puis les walls en style. Voilà. Style wall, style wall, style wall. Dans le customizer, attends. Ouais, Steve Wall. Alors, Isha, je vais les faire à la main. Attends. Quoi? Je vais faire les mégaframes à la main pour le moment. Parce que pour faire une usine de ça, il va falloir que je m'arrache les yeux et. Ça donnera 5 minutes, d'accord? Ah, ouch. Voilà. Non, parce que je me dis, il va peut-être falloir que je fasse venir des. En fait. Je me dis ce qu'il y a de mieux à faire, c'est littéralement de faire une usine à base de trucs qu'on va chercher dans les autres usines. Oui, quand on est train quoi. Voilà, camion, train, etc, etc. Parce que là, vraiment... Ah là, c'est trop tard hein, pour les camions. Là on a déjà commis hors du camion. Non mais voilà, non mais il faut les trains. Parce que là, en vrai... Mais le problème, c'est que les modulars, les V-frames, on a besoin pour les trains. Genre pour fabriquer les trains et tout ça, c'est du heavy modular. C'est ça le truc. Si tu veux, on peut faire du camion temporairement, hein, mais... Attends, je laisse-moi réfléchir. On a l'asphalte, on peut faire une route. Non, parce que attends, c'est que je calcule combien il me faut. Attends. Je vais en construire un truc comme ça vite zef, mais je vais le détruire après parce qu'il faut un peu des moteurs. Vas-y, dis-moi, je peux construire 5 moteurs à la main, là, j'ai la flemme. Alors, toi. Alors, donc du coup... Ça faisait longtemps que j'ai plus de cette musique. Ok, donc là, on a nettoyé les trucs... Ah, la recherche. 10 minutes sont passées. 22 secondes, allez. 20 Reste encore 3 Ah, et la production. Ah, ouais, ça t'a fait un pic à 40 000 avec le DNA. Le DNA, c'est pas l'aise. C'est solide, hein. Putain. Ah, et temps. Alors, Compacted Steel Ingot. Steel It Frame. Ah, c'est quoi ça, compacté de silingote? Ça sort 10 d'acier, 6 de fer et 3 de charbon. Ça fait 37.5 par minute. Et après, on a le steel frame, donc on utilise du steel pour faire les frames standards. Ah, chiant, très chiant. Et après, on a les cristal oscillators modifiés, je sais pas. Ouais, le compacté de silingote en vrai. Ouais, le compacted silingot. Sans dans ce qu'on a, c'est le mieux. Hein. De loin. Attends, je suis dedans aussi. Tu crois que je peux en prendre un deuxième? Regardez si. Je sais pas si ça s'affiche ou pas. J'ai peur de l'avoir loupé, genre quand je regardais pas, mais vu qu'il a pas fait de bruit. Ok. Je lance un deuxième hard drive. Ouais. Ah, j'en ai encore deux, hein, donc. Oh là là. Tu veux, je peux venir les chercher pour que. Non, de toute façon, je suis en train de faire des calculs alors. Okay. Du coup, je vais regarder le style. Ah, il me faut du plastique! Merde! De quoi pour les.
Quoi? Pour faire la manufacture, il faut du plastoc. Ah, je peux venir. Ouais, je veux bien que tu me ramènes. Il en faut pas énormément, hein. C'est juste en fait pour faire. Je te ramène un stack, calculer. Quoi. Deux stacks peut-être? Ouais, vas-y, ramène un stack, ramène un stack. Je peux prendre un drive comme ça, moi. Là, en fait, je suis un peu. Enfin, tant qu'il n'y a pas les circuits de board, je peux pas. Je peux pas avancer dans ce que je voulais faire, donc là. Je regarde un peu les trucs qu'on a, je réfléchis. Ouais, en fait, je suis en train de. J'essaie de voir pour calculer pour. Ah, les machins. Ah, maintenant, il me faut de la. Attends, ça, c'est pas loin. Let's go. J'arrive du coup avec un stack de plastique. Pourquoi j'ai déjà le cerveau qui est en train de fumer. T'es au niveau de ton usine, t'es où? Va à la base principale. Base principale, ok. Ouais, je suis là-bas vu que je suis en train d'essayer de faire pour envoyer le bordel et tout. J'ai déjà le cerveau qui est en train de fumer, c'est magnifique. On a l'étape compliquée. En vrai, c'est le point pivot. T'as pas, t'as besoin de grosses logistiques, mais t'as pas les grosses logistiques, sauf si t'as fait les cam, t'as préparé les pamtars, mais les camtars c'est chiant à préparer. Voilà, donc on. C'est soit charbon, soit t'as du turbo, mais si t'as du turbo, c'est-à-dire que tes camtars ils doivent passer forcément par un endroit où t'as du fuel qui arrive. Ça c'est pas simple. Du béton armé, oh la vache, donc. Je crois que je regarde si Stairway to Heaven c'est l'endroit le plus rapide pour accéder au pétrole ou si c'est l'autre chemin alternatif. Je sais pas, mais à un moment je pense qu'il va falloir que je me motive à faire vraiment une usine de béton armé pure. On va en avoir besoin d'une chier et En vrai là c'est une fois qu'on a le on a les le pétrole en énergie t'as 5-6 endroits de style qui se libèrent, c'est pas mal. C'est pour ça que là c'est l'étape importante, c'est pour qu'on puisse faire le truc avec le pétrole sur le côté droit. En soi je peux crafter pour faire en sorte qu'on ait le truc de recherche de pétrole. Comme ça, pendant ce temps-là, Sora il aura fait le circuit de board et je ferai les computers de façon définitive. Enfin, pas définitive, mais de manière semi-automatique, de manière auto. Salut Rouge Gaming, comment vas-tu? Bonjour, qui que tu sois ou que tu sois. Et je viens de me rendre compte que j'ai pas pris de pipe et j'ai envie de mourir. Ça va, même si. Elle est pas loin, l'usine à acier. Je pense qu'à l'époque, on disait que l'usine à acier, elle était loin. Ouais, mais on avait pas encore les poteaux. Pour y aller. On avait pas les poteaux. Pour y aller. On avait pas des poteaux aussi. Surtout, on avait pas les bottes MK2. Hein. Alors attends, t'es où? Là, t'as dit que t'as l'usine. Je suis parti à l'usine à steel, mais t'inquiète pas, je reviens en 2 secondes. Et pour en attendant, j'ai regardé dans le style. Attends. Il. Voir la recette, ce qu'on a changé. Ah, quoi, attends. En fait, on rajoute dans la recette au lieu de mettre 3, on met 6. Et du coup, on en produit 10. Mais ça les produit plus lentement. Ça consomme plus ça de fer. Enfin, quoique, non, ça consomme moins de fer, techniquement. Parce que tu fais x2 sur la truc, mais tu fais x3 sur la production d'acier. Mais tu le produis c'est plus lentement. C'est pas logique, ça les produit plus lentement. C'est parce que c'est, tu crées plus. Quand je dis, en gros, tu consommes 2 fois plus de fer par. Ah, mais attends, moi, c'est parce que. Attends, j'ai pas. Faut que je pose un four. Bon, parce que c'est vrai que j'ai pas les trucs. T'es où? Ah. Ah. Voilà, fais tes calculs. Moi je fais les miens, d'accord? C'est pas les calculs, c'est juste parce que en fait, tu peux pas voir combien ça a consommé par minute. Comme ça, ça qui est chiant. Ouais. Là ça consomme 22 par minute et là ça consomme 45 par minute. Si, ça consomme bien moins. Oh putain, 11 par minute, 45 par minute, 45 par minute, 37. Est-ce que t'as une limace qui traîne quelque part? Alors, donc, si je calcule bien, il me faut. Oui, j'ai plein de limaces. Est-ce que tu peux me passer 2 limaces, les rangs? C'est juste pour que je puisse booster l'usine à droite. Bon, merci.
Voilà, deux limaces, ça me suffira. Alors, attends, donc ça. Modular frame. Donc, bon, 10 modular frame par minute. Ça veut dire que pour faire ça, il me faut. Attends. Reste-toi. Ouais, eh. Hey. Exia, je suis désolé, mais tu vois toute ton usine à faire? Ouais, ouais. Tu peux la refaire. Enfin, là, si. Attends. Que ça consomme beaucoup moins. Hein. Oh, c'est craqué. Hein. Donc, avec ça, je peux en produire. Attends, Ok, je peux faire une usine. Donc, il me faut un minerai de fer juste pour ça. Ok, et. Il me faut un minage de fer pour faire les pipes et les industrial beams, plus un. Et je peux dégager une partie de la production du premier pour faire des screws. Donc il me faut deux de fer, au moins en normal. Sinon après je peux les booster. Deux de fer au moins en normal. Un de charbon au moins en normal. Et. Et un de trucs. Ok, ouais, j'ai rien dit, Gia. Tes usines sont safe. Parce que ça utilise pas du charbon. Ça utilise du charbon compacté. Charbon que tu mélanges avec du soufre. Ah ouais, donc ça va. Ça va. C'est moins craqué que je le pensais. Parce que putain, c'était genre tu divisais par deux les productions, les consommations. Du coup, ouais, non, il y a du soufre dedans. Non. Bah, techniquement, je vois à quoi sert. Attends, c'est cool. Tu utilisais mon soufre. Pour quoi faire? Oh, il y a une nouvelle emote maintenant! Quand t'appuies sur le bouton, t'as un gros point qui va taper dessus, c'est trop mignon! Voilà! Ah, hop, c'est bon! Ça s'est débloqué! Donc on a les canisters maintenant! Wouh. Ouais! Maintenant, faut que j'en produise 10 de trucs comme maintenant, ça! Maintenant, la recherche la plus compliquée de toutes! Wouh! Le fuel générateur! Wouh! C'est d'ailleurs Exia, conveyor MK4 aussi. MK5, je veux dire. Non, MK4. Non, MK4. MK5, c'est plus tard. MKK. MKK. Oui, qu'est-ce qu'il manque? Il manque des frames carrés. Et il va me falloir beaucoup d'ordi et beaucoup de frames. Je vais souffrir. Mais bon, une fois que ça sera fait. Attention, les conveyors MK4, ça change toute la donne. Hein. Pour moi. Ah oui, bah ça. Et après, je ferai. Une fois que j'aurai fait ça, j'irai faire de quoi faire le masque à gaz pour qu'on ait 3 slots d'inventaire en plus. Genre, vraiment, le masque à gaz, rien à battre, mais les slots d'inventaire, banger. La recherche complète vaut le coup. Ouh, c'est combien? Ah, le MAMS, il est où le MAMS? 1023. Ok, bon. J'ai réfléchi, ça devrait le faire et j'ai envie de mourir, mais tout va bien. Ok, bon. Toujours demandé un tour de charbon que j'ai trouvé tout à l'heure. Et les batteries de véhicules utilisées pour les drones et les véhicules. D'accord. Il y a du soin. Putain, mais t'as les charbon, trucs quantiques à la fin, c'est quoi ce délire? Quantique? Ça y est, on a débloqué les trucs quantiques, ça y est, c'est disponible. Non, dans non, non, c'est pas débloqué, mais je vois qu'on a des objets quantiques dans notre. Ah, quantique! J'ai entendu antique. Non, on n'a pas antique. Putain, c'est impur. Oh non. Faudra que je fasse le truc pour qu'on puisse utiliser Jetpack aussi. Techniquement, je pourrais faire la recherche. Genre là. Ah bah tiens, c'est ça que je pourrais faire si quand Sora sera un peu. Enfin si Sora a pas fini quand j'ai fini les trucs. Je pourrais de quoi compacter dans des. Ah putain, il faudra que je cherche du fer. Mais il faudra que je pourrais faire en sorte qu'on ait des canisters de turbo fuel pour les mettre en jetpack. Ah oui, c'est vrai, il y a jetpack. Parce que là le jetpack techniquement il est recherchable et bien, genre vraiment il y a juste le turbo fuel que je compacte pas quoi. Alors, on a du silice pas cher, on a de la concrete fait à partir de silice et on a des fils, des câbles qu'on fabrique avec du carburant lourd.
c'est que de la merde. La silice. On relance. Ah, comment on fait déjà, j'ai oublié. Échappe, c'est ça? Ouais, échappe. J'avais oublié qu'on avait le bouton pour relancer. Je crois que j'ai relancé. Bah, vérifie si c'est toujours en train de se lancer. Bah oui, ça tourne. C'est vrai bon, que j'en ai pas sur moi, donc oui. C'est technique des enfers. C'est bah, ça marche en vrai. Ouais, c'est de la... Quand t'as vraiment que de la merde. En vrai, le truc du charbon tout compacté, il y a moyen que plus tard on ait... Bah en vrai, celui... Je sais plus pourquoi tu utilisais le soufre, toi, sur ta base, sur ton usine. T'avais un truc qui utilisait du soufre, mais je sais plus pourquoi. Non, tu l'utilisais pas le soufre, mais il était à côté. Il y a une usine c'est où ça. On peut faire du... Moi, j'avais besoin du... Ouais. Bah il y a une usine où on peut faire du... Je me suis rendu compte que je l'avais pas fait. Ah, d'accord. Il y a une usine où on va pouvoir... J'aime bien, c'est que Sora, il avait dit d'utiliser le chat de jeu. J'ai utilisé le chat de jeu, il est parvenu. Il a rien dit. Mais si, mais je t'entends toujours. Ah, je disais, ça se passe comment sur ton usine? Je suis en train d'en faire deux, là. Je sais que j'aime tu penses, tu penses combien de temps va guider, hein, large. Donne large. 2 minutes, 3 minutes. 2-3 minutes. Ok. Bah, je... pas le temps de faire les computers. Ah, c'est ça. Ah si, il faut que je fasse les computers parce que comme ça au moins ça te permet d'aller après sur je m'en fous, j'ai un autre sur les je vais retrouver mes mots. Les computers te permettront de faire de... ça te permettra d'avoir les fuel générateurs et de faire le carburant. Ça nous libérera énormément d'acier possible, donc ouais. Attends, on n'utilise plus le charbon pour faire d'électricité de mémoire. Si. Si, non, si. Non, mais pas de nouveau. Non, pas de nouveau, mais okay. Parce qu'à côté de chez Sora, t'en avais Sora, à ton usine de charbon, t'en avais laissé. Je crois qu'il en reste un, mais je suis pas sûr, faut vérifier. Mais si, parce que je vois qu'il y en a un qui est pas utilisé. Mais oui, pour là, on se concentre à rusher le... Parce que... ok, ça, le charbon, check. Après, il me faut du fer. Alors, je tiens à m'excuser de tout ce que vous allez voir pendant 5 siècles, et qui est l'écran qui bouge pas sur la production. Mais comprenez que c'est vital. Et genre là, vraiment... il faut... Je tiens... Vas-y. Il faut qu'on ait les... Il faut qu'on ait le fuel en tant que carburant. Moi, je tiens à m'excuser sur le fait que je risque de pas beaucoup répondre et que je risque d'avoir des têtes pas possibles parce que mon cerveau va certainement surchauffer dans les 5 minutes à venir. Mais tout va bien. Ne vous inquiétez pas, Exion ne sera pas encore remorte. Ok, donc le but, c'est de rusher la MK4, comme ça Exion elle est là en mode « C'est bon, j'ai pas besoin de tout repenser ». Genre en une recherche, je fais le MK4 et le fuel. C'est quand même incroyable. C'est la truc qui est game changing. Je pense que c'est pour ça que le truc il est craftable à la main assez aisément. Assez aisé. Mais non, j'ai pas besoin de fabriquer les clous. J'ai découvert un truc près de chez moi. C'est quoi ici? Les clous. Je... Merci. Non mais tombe. Les vis. Lâche le parachute. J'en ai 50 de ces cadres. Putain. Pas descendre plus vite, je suis coincé. Coucou Asphalt, comment ça va? Et Nature de Twitter. Qu'est-ce qu'il va lâcher? Une micro convention de furie, sérieux? Oh cool ça. Ah, je vois ce qu'il va me lâcher, les cadres modulaires. Ça va. Les cadres modulaires, je crois que c'est là-bas que c'est produit. Micro-convention Fury, genre rassemblement Fury. Après, il y a des micro-conventions, il y a des petites conventions où t'as genre une trentaine de personnes à tout péter. Hein. C'est pas toutes les conventions Fury ne sont pas comme la FBL avec 2 milliards et demi de personnes. Hein. Enfin, il n'y a pas 2 milliards, on était. À peu près la moitié de la planète, tu crois. 4. Une convention limitée à 140 places? Ah ouais, quand même, c'est une grosse. Attends, mais ce serait pas l'Entrecône? Non, pas l'Entrecône, c'est... Comment elle s'appelle, la deuxième? Pas loin de celle. C'est... C'est qui que tu traites de micro, là?
Suite à mince. Il faudra que j'aille dans l'usine de Steelbeam. Attends, j'avais trouvé du charbon en coin. Oui, 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 parfait, ils sont là. Ok, dis-moi qu'ils sont pas impurs, par pitié, j'ai pas. Ah, quoi qu'il y en a deux, je peux essayer de les cadencer. Non, la FCD. Ah, c'est la Calvadence. Oui, je la connais. Ah, oh, c'est du normal. Yes. C'est qui m'agresse? Qui es-tu? Qui ose m'agresser? Qui ose me réveiller? Mon sommeil éternel. Ok, il faut des bims en compte. Ça, c'est ce que j'ai dit quand on m'a réveillé. C'est ce que j'ai dit la première fois que je me suis réveillé. C'est des nains purs, putain. C'est de la merde. Alors, déjà, on va faire. Il me faut des bims. Voilà, désolé, mère nature, mais tu me fais chier. Hein. Il me faut des tas de bims. Ok. Là, j'en ai. On a 200 plus tout ce qu'il me faut pour les cadres modulaires. J'en suis la moitié au niveau des cadres. Lourd. Et après, c'est les computers qui vont être fabriqués. Aïssou, je vais venir chez toi. Ah, mais non, c'est vrai qu'il y a tes vieux, je peux pas venir chez toi. Oh. Tu vas voler la place des vieux. On va envoyer tes vieux à la maison de retraite et puis. Et ta soeur, on va l'envoyer chez les. On va l'envoyer. Comment ça, notre Tenno Space? Merde, je suis pleine. Aïe aïe. Non, non, je deviens pas du tout Fury. Je vois pas de quoi tu parles, Aizu. J'ai pas dit que je voulais te faire devenir Fury, j'ai dit que. Non, Aizu devient Fury si t'as pas vu son avatar vers chat. Si, si. Hey. Ah bah oui, du coup. Bah, ah bah oui. Bah, ah bah oui. Ah bah oui. Excellent. One of us. Pourquoi j'ai pris la voix de Raven en faisant ça, j'en ai aucune idée. Ça change quelque chose? Absolument pas. Moi je me lâche, je l'avais trouvé la dernière fois, c'était quoi? Oh, c'est C. Non, c'est. Ah, c'est C. Hein. Ah, ou mes tympans. Voilà, produit de la protéine. Il faudra que j'aille chercher plus de caoutchouc. Voilà. Oh, des vis. Terrible. Jonathan? J'arrête de faire cette blague. Ouais. Jonathan Davis. Le chanteur de cornes. Ah. C'est la première fois que l'usine à faire elle est réutilisée quoi. Pour ce... Vraiment qu'elle prend, qu'elle est en mode oh putain, il y a beaucoup de choses là. Oh. J'ai découvert les insectes, ça compte. De... Bah si, ça compte. Oui. Bah oui, c'est vrai, du coup. Aïssou est Fury depuis 2019 en fait. Voilà, Isha, c'est fait. Techniquement. Ah ben je le. One of us. Ah putain, j'aurais pu prendre des steel beams, j'ai pas vu qu'il fallait des beams aussi. Enfin, des pipes. Je suis en train de faire la recherche comme tu veux voir. Tu peux me ramener. Attends, pour faire des computers il faut quoi? Je vais à 250 mètres. Attends, me dis pas que c'est en hauteur. Computer, computer. C'est en hauteur. Est-ce que tu peux. Ah non, il faut que t'attendes à côté parce qu'il faut les circuit boards. Du plastique. Ouais non, bah non. Je vais arriver. Il est en hauteur. Commence à prospecter pour faire ton. Ton usine à pétrole sur la plage à gauche. En tout cas, tu vas faire fumer. À gauche de la map. Tu m'as dit que tu en voulais combien des circuits boards par minute? J'avais dit au moins 20, mais si t'as fait plus ou moins. C'est plutôt 15. Hein. T'as 15 pour l'instant? Bon, ça marchera. Je me débrouillerai avec, t'inquiète pas. Bon, alors, faut que j'arrive à monter là-haut. Les ordinateurs, t'en as jamais beaucoup dans le jeu. Bref, à monter là-haut. Bah du coup, ouais, je te conseille d'aller de commencer à te diriger vers... à te diriger et à faire peut-être le chemin électrique, je sais pas si tu... Vers la plage qui est au sud. Je sais pas si tu la vois sur la carte. Tu peux faire un ping, non. En gros, la plage sud à gauche... la plage gauche, pardon, pas sud. La plage à gauche, dessus, il y a un endroit où il y a plein de pétrole. Et c'est là que tu vas faire ton usine à pétrole. La plage par rapport à où? Quand tu regardes sur la carte, c'est à gauche. Ce que je suis en train de faire est pas très. Alors, oui, du coup, une surface assez grande, dis donc.
Elle sait pas toute la surface, c'est juste je sais c'est quelque part là-dessus, mais je sais plus exactement. Oui, justement. C'est... De souvenir, c'est à peu près au milieu. Je vais voir. Je sais plus. Mais tu le verras, de toute façon, il y a des îles. Par contre, j'ai foutu le bordel avec les assembleurs. Hein, tu... T'inquiète pas, si je veux nettoyer, je nettoierai. Là, tout ce que j'ai besoin, c'est que ça soit produit, tu vois. Donc, Là, l'important, c'est qu'au bout d'un moment, je fabrique les PC automatiquement pour qu'on en ait un stock qui se construit petit à petit. Hein. Parce que ce stock, il va nous servir pour les trains, et les trains, c'est chiant. It's all coming together. En même temps, Cuir et Fury, je suis désolé, ça va un peu ensemble, là, hein, donc bon... Fallait t'en douter un moment ou un autre. Non, suite à... Couchez. On est jail. Ok, plus que 10. J'ai fait plus dire. Ce silence. Plus que 10. Bravo, Nîmes. Je fais une ref à Kronk de Cusco. Je sais, Yune, mais Suita, c'est Suita, hein, tu veux qu'on y fasse quoi? Suita est pas sortable. Ok, hop. Ok, il me faut... Oula, je vais aller jusqu'à... C'est pour ça que je te dis d'y aller maintenant, parce qu'en vrai, t'as déjà... T'as juste la dernière étape de l'usine qui est pas là, qui sont les générateurs. Générateurs qui sont larges, hein, donc si tu commences à plus l'huile autour en te disant je vais le construire en avance, vraiment pense large. Gigantesque, c'est. D'où je suis pas sortable. Bon, je sais pas. Je suis en train de faire un truc, Isha. Les lois de la physique, vous connaissez? Non. Moi non plus. Parce que je suis en train de faire une échelle littéralement verticale qui monte à 200 mètres. Est-ce que t'as vu mes usines? Est-ce que t'as vu les miennes au début avant que je mette des piliers maintenant? Ouais, bah les miennes, elles sont toujours pas supportées par le sol. Hein. Elles évitent toujours 3 cm au-dessus du sol. Je me demande si la pizza ne nous a pas oublié. Là, toujours pas d'appel. Et... Je sais plus, ça fait 2 heures là, je sais plus. Non, là, non, ça fait 1h30, peut-être un peu plus du coup. Merde. Non, 19h30, oui, non, ça fait un moment là quand même. Ah oui, 19h30, ça commence à être long là. Ok. Je vais passer le téléphone. Non, pas vertical. Je vais laisser Elodie décider de ce qu'elle souhaite en penser. Oh, fais gaffe, Elodie va essayer d'assassiner le vendeur. Hein. On la connaît. Je sais pas si tu souhaites rappeler ou si on continue d'attendre. Bah il est ça fait c'est plus 19h là, ça va faire 2h. D'où de là, oui. Allez. Ah si tu veux, tu peux attendre, on peut attendre 22h30 pour être sûr que ça soit vraiment 2h. Putain, ça serait trop bien. Imprimable en 3D, ça serait ouf. Le face mask imprimé en 3D qui s'ouvre quand tu causes, ça serait insane. À traverser toute la map en câble électrique, c'est quand même quelque chose. Hein. Dis-moi que c'est pas du impur. Impur ! Je vais tout ça pour rien, envie de mourir. Chat. Quoi? C'est de la merde. Mon est pourri, les gens sont chiants. Putain, je suis cassé le cul à monter pour rien. Parce que c'est de l'impur, ça vaut pas ce que j'ai besoin. Il me faut moins du normal. Et ça monte comment ça? Pip pip pip. Ah mais je vais construire ici comme ça moi. J'aurais pas besoin de faire des allers-retours de ces morts. J'ai pas envie de me taper. Mais j'ai un ticket, il va avoir des problèmes ici. J'ai mon moment, pétrole j'ai... Ah, mais là, qui sort j'ai là. J'ai plusieurs fers, sachant qu'il m'en fallait deux. Oh, attends. Il m'en faut deux. Et que là, j'en sort, ai et quatre. Ah, il perd, il sort, ok. Il va ce ticket là. Mais oh, fais pas disparaître sous mes yeux, s'il te plaît, ça me stresse. Ah, merci.
Alors là on a du fer. C'est du impur, mais là on en a plein. Plein d'impurs. Ça marche aussi. Oh. Ah vraiment j'aime bien, c'est vraiment improvisé le truc ici hein. Putain. C'est qui m'agresse. Meurs. Chiné. D'ailleurs du coup on produit techniquement plus d'électricité, c'est... La magie de consommer plus pour que ça sorte plus finalement. Tapez, où tu... Viens, meurs. Si. Bon alors ça veut dire que il faut que je fasse revenir le machin ici et que j'envoie du machin ici. Bon, et que il faut que je défriche cette zone. Bah il me faut 89... Mais attends, 79 ordinateurs. Fait à main, ça va être long. Mamma mia. J'ai plus de vis. J'ai câblé. Bah pourtant on a une grosse usine à vis. Hein. Bah, je vais attendre un petit peu ici. Hein, quelques... Oui non mais on a une grosse usine à vis mais... plus loin des vis là. 89. Est-ce que je referais pas vite fait l'enjeu? Tu payes bien en slip. Par minute. Je vais pas te mentir, Isha, je ne pense pas que cette usine sera finie ce soir. Non, oh, mais t'inquiète pas, de toute façon, là on n'est pas sur les étapes où on peut faire les trucs en un coup. Hein. Ouais. La dernière fois que j'ai dit ça, l'usine, j'ai quand même fait en un jour. Hein, mais... Oui, oui, mais c'est... tu étais peut-être un peu trop donné du coup. Enfin, j'étais comment déjà? T'allais pas bien. J'étais en train de péter les câbles, mon cerveau était en train de faire. Je suis en train d'overclock légèrement les trucs de Sora pour passer à 15 par minute pour que ça soit au moins à 100% pour la production des. Pour que j'ai les 15. Ah, du coup. C'est bon, t'es pas dans le sol? Putain, si t'es dans le sol. Bon, je t'ai mort! Voilà. Hop, au moins, ça permet de tourner sans que j'ai eu à le faire. C'est cool. J'attends d'en avoir. Il me faut combien en tout? Alors, un PC en consomme 10. Sachant qu'un PC consomme 10. J'en ai 729 en avoir. 790 en avoir. Il stack par combien? En vrai, c'est un bon jeu pour apprendre les maths aux enfants, non? Traumatisé? Oui. Ah non, non, non! Que non, si ça stack. Non, non! Si t'as stack par 100, il faut 7 stacks. Le circuit. Ok, ça va, je suis juste tombé un peu plus bas, tout va bien. Je peux faire suis pas... un ordinateur par minute. Est-ce que j'ai. Ah, attends, bah, je vais faire les ordinateurs automatiques ici. Ah, mais non, j'ai pas les. Je n'en ai encore du béton. J'ai pas du. Tu atterris quand tu veux, hein. Merci. Ouais, non, je vais faire à la main là, j'ai la flemme de. De chercher. Ouais, non, mais ça va être long aussi. Le fer, il est où? Le dilemme. Le fer est où? 2, 3, 4. Là, il y en a un, 250 mètres. Ouais. 250 mètres, c'est pas dégueu. Alors, Isha, je vais te dire un truc. Oui. Il y a du fer autour de moi, sauf que si tu me le prends, je te mords. T'es pas à côté du pétrole, toi? Pas si loin, pas si près. Bah, y'a Sora qui a construit à côté, donc je pense pas que tu sois dedans. Non, en fait, je suis entre le pétrole et l'usine à charbon là. Ouais, bah là, c'est derrière le pétrole. Ah ouais, bah ça va. C'est littéralement dans les cailloux maudits, tu peux pas y aller. C'est vrai qu'il y a cette zone là, faudrait. Je crois qu'à un moment, je vais rentrer dans le code du jeu pour aller fixer le problème. Non, c'est la solution, je l'ai trouvée, hein, moi, depuis un maillard. Pourquoi c'est? Je vais péter le caillou. Y'a pas de caillou, il peut pas te faire bugger. C'est pas faux. Ouais, la solution était là depuis le début. C'est une propriété des cailloux sur cette planète. Ils sont pas physiques. C'est pour ça qu'il y a des minerais chelous qu'on a besoin.
Ça me paraît évident. Mais oui, c'est clair. La pauvre Sorel a fait un truc joli ici, je vais stacker par-dessus ces trucs. T'inquiète pas. Je suis en train de me dire que je vais faire une usine, elle va littéralement passer au-dessus d'un... Il y a moyen que mon usine fasse un pont entre deux zones. Ah, mais ça, je dis rien. On va pas. Ah, parce que je vois... Ça, Starway to Heaven, ça? Ouais, c'est Starway to Heaven. Je vois Starway to Heaven de là où je suis. Et je me dis que dans 5 minutes, je suis en train de... Je suis en train de les relier, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Bon, alors. Ensuite, la tronçonneuse, histoire de découper toute cette faune, flore locale que je ne saurais voir. Voilà. Je suis désolé à nos amis écologistes, hein, les arbres, on n'a pas un danger. Et nos ennemis sont pas nos amis. Exactement. D'ailleurs, j'ai le buffer de grand niveau. Pas mal, ça. Pas de grand niveau. Le gros buffer industriel, là, gigantesque, mais il utilise des trucs qui coûtent super cher. Mais ça permet, genre, si t'aimes bien avoir des batteries, enfin, si t'aimes bien avoir du truc de côté ou que tu fais un truc où des véhicules viennent se recharger de temps en temps, c'est quand même agréable. Je sais plus s'il me faut des MK3 ou des MK4. Ouais. Y'a quoi? D'ailleurs, je sais plus où ce que j'ai mis mon charbon. Si tu parles de. Si. De on n'a pas. De convoyeur, on n'a pas encore des MK4. Ouais, non, mais je sais, c'est juste que je calcule. Hein. Je vais l'optimiser pour le moment où on aura les MK4, comme ça, vu que si on n'est pas trop loin. Ça va un peu laggy avec MK3, mais rien à foutre. De toute façon, il y a moyen que le temps que t'entames l'usine, j'ai déjà les MK4. Hein. Ouais, il y a moyen, parce que là, je suis quand même pas parti pour m'amuser pendant très longtemps. Enfin, si, mais... Japon. Japan is having fun. Japan is amused. Il est pas con, le Sora, il a utilisé les trucs superposés ici pour que ça soit propre. C'est pas con. Hein? Un destin que ça marche. En quoi? Est-ce que tu en doutais? Non, c'est juste que j'avais même pas pensé au truc. Oh, j'ai découvert par hasard, tu vois. J'ai établi ma plateforme à l'endroit où il y a les trois de pétrole. Et j'ai fait une ligne électrique. Qui ramène à la base. Incroyable. Est-ce que j'aurai assez de matériaux pour faire le convoyeur lift là jusqu'où je veux qu'il aille Là jusqu'où je veux que je t'appuie. Putain, Exia, bordel. On va parler avant de faire des streams, bordel. Par quoi? Parler. Dedans que tu stream Exia et t'as toujours pas réussi à parler, putain. Ok, bon, je vais peux pas le monter plus haut. Ok, j'ai compris le jeu, il m'a dit n'un. Je vais peut-être devoir refaire un aller-retour quoi qu'il arrive jusqu'à là. Bon bah je vais faire un aller-retour hein. J'ai plus les matériaux pour construire. Ça a été utilisé. Faire qu'il se connecte, oui je sais que je peux faire qu'il se connecte, mais c'est juste que à l'aide quoi. C'est ultra chum. Il y a un escalier. Mon dieu, j'ai envie de mourir. Le jeu. Merci, enculé. Ah, là, la recherche que je suis en train de faire, elle va carrer. C'est...
C'est le coursier qui va apporter la lettre qui va sauver tout le monde. Là, c'est le MK4 et le pétrole. C'est le coursier qui a couru partout sur les lignes de Verdun pour dire... pas Verdun, les lignes de la Première Guerre mondiale pour dire « C'est bon, arrêtez de tirer! Les Allemands sont rendus! Arrêtez! Stop! Mais il est parti. Arrête de bombarder !» Il est parti qu'à 11h ou alors ils ont eu le droit qu'à 11h. Stop! Ah mais en vrai c'était le rush, ils étaient en panique pour déposer les trucs parce que genre il y avait des bombardements qui étaient prévus dans tous les coins. La Berlin qui était à deux doigts de se faire atomiser à la Première Guerre mondiale, hein, on en parle. Exer et son histoire. Qui était sur le point de se prendre une giclée d'obus dans la gueule. Où est-ce qu'on produit les moteurs? Usine moteur, bon, c'est indiqué sur le HUD et la map. Autant dire c'est loin, il faut passer par Starway to Heaven et tout ça. Le niveau du pétrole 1. Parce que Starway to Heaven au début c'était une blague en mode ouais on le prendra jamais, c'est trop long finalement en fait on passe tout le temps par là. Bah parce qu'on a mis les câbles du coup. Alors on a Heavy Oil Residue. Donc là tu peux faire du pétrole, enfin à partir du pétrole tu peux faire du pétrole lourd et des résidus. Ok. On a le Catarium Computer. Alors qu'est-ce que ça économise? Quelqu'un peut me dire c'est quoi la recette du computer standard? C'est avec un manufacturer que tu le fais le computer? Je sais plus, là ce que je vois c'est circuit board, Catarium wire et rubber. C'est quoi le matériau qui manque? 10 circuit board, 9 câbles, 18 plastiques, 52 screws. Oh, la place des câbles c'est cool en vrai. Les câbles c'est... Ouais mais après j'ai déjà le copper là-bas. Faut passer par deux de copper donc en vrai à part si t'as un catarium à côté c'est utile. Ouais et l'autre vrai, c'est pas mal. Et l'autre c'est pur quartz cristal, c'est du cristal mais tu mets de l'eau en plus. Que je reset encore une fois? Ou est-ce que je prends non, le catarium? Prends le catarium et okay. je vais construire un MAM VTF là où je suis pour poser et laisser là. Bah, laisser ouais, là. Je me plus tard. On ne touche pas. Alors, il me faut des vis à nouveau. Spécial. Bam. Il y a les vis, finalement, t'en as quand même besoin de tonnes de vis. Drive, on lance. Parti. Où est-ce qu'elles sont les... Là, les plaques renforcées, elles sont là. Et plus. Oula, ok. 200 milliards de feuilles sur... Ok, il est temps de faire des computers. Je peux pas les mettre à la poubelle comme ça. Qu'est-ce qui va me lâcher en premier? Le plastique, je pense. Quoi, c'est 52 vis? Heureusement qu'il n'y a pas besoin de gérer la charge des lignes. Ouais, parce que sinon... Hein... le réacteur nucléaire qui te fait frire toutes les lignes. Ok, alors je peux construire deux machins pour le moment. Je vais faire deux par deux. On risque peut... Ouais... on a combien en termes de puissance électrique? Ah ça permet de sortir les vis aussi, putain, ça dégage les vis et les trucs, c'est... Ah non, j'ai plus de Toyo! Je crois que je regarde, c'est pas du Catarium qui traîne, parce qu'en vrai c'est vrai que c'est banger. J'ai plus de Toyo en acier! J'ai plus de Toyo en acier! Où est-ce qu'ils sont tes Toyo? Bah ils sont pas là tes Toyo! L'alerte oh si j'ai fait des alertes en fait et c'est terrible. Tu commences l'alerte, tu te rends compte de la distance que t'as à faire. T'as... Oh. Non ça va en vrai j'ai pas si loin, c'est juste que putain. Bon attends, je vais d'abord 22 computer. Il me manque du plastique et des circuit boards, bah c'est pas mal. Ah, de toute façon il va falloir, vas-y. Voilà, fais ton bordel. Du coup, vous avez la barre de progrès. Vous avez la belle barre de progrès. Oh putain, la vache! La mais belle barre de progression en haut de combien de PC il me reste à faire? Mais vas-tu? Je viens mourir, s'il te plaît. Sûr? À toi, Isha! le bestiau qui m'a agressé là. T'inquiète pas, je me doute, c'est juste que c'était.
pas juste. Mais attendez, je vais muter. Je vais récupérer un nouvel hard drive au passage, hein, parce que sinon c'est pas drôle. J'ai cru que c'était un canon. un peu de pratique, ça. En vrai, les screws, je vais peut-être les prendre aussi. Là où j'ai besoin de se faire déborder. Arrête de prendre des feuilles! Ça a rien, les feuilles. Pum. Oula, 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 oula. Ça. Nickel. I was running. Tu ressors avec un oiseau. Heureux, ils sont juste en retard, ils ont beaucoup de commandes. En même temps, c'est la seule pizzeria que je connaisse dans le coin qui fait des pizzas pas trop chères. Un dimanche. Oh oui, en plus, toi. En dimanche, oui. J'avais même pas tiqué qu'on était un dimanche soir. Mais oui. Bah, merci le jeu, va te faire foutre. Et en plus, qu'ils font aussi de nuit. Non, vraiment, ouais, c'est vrai que en vrai, quand tu réfléchis. J'avais pas pensé à toutes les conditions. En plus, il y a des matchs en ce moment, donc de foot. Ah ouais, non, mais là, il y a vraiment le combo des enfers. Hein. Plus, ouais, du coup, les gens qui prennent ici, du coup, ils doivent prendre genre 3-4 d'un coup, tu vois, parce que c'est des. C'est des soirées avec plusieurs gens, ouais. C'est des grosses soirées, c'est des pizzas 50 cm, donc c'est pratique pour partager avec plein de gens, tu vois. Vraiment, banger. Ou quand t'as juste trop la dalle. Voilà, ou quand t'as vraiment la dalle. Et pour 20€, en vrai, bah, Pizza Hut, ils sont loin, quoi. Ils sont loin derrière. Certes, je dirais pas que les Pizza Hut, elles sont un peu meilleures quand même. Mais, niveau prix, ils sont loin derrière Pizza Hut, donc forcément. Et pour deux personnes, Pizza Hut, c'est 40€ quasiment. What the fuck? C'est un délire. Hein. Prendre deux pizzas, c'est fini. Et Isha? Oui. Prochain coup que je passe chez toi, on se prend des pizzas à 50 cm. La pizza 50 cm. Enfin, deux du coup. Ouais, parce que j'allais dire, au pire, moi je t'en dégomme une solo. Hein. No shit, je l'ai déjà fait, je suis sûr. Ah, mais je n'en doute pas, mais ça, ça. Depuis que j'ai perdu masse poids, il y a moyen que je le fasse plus. Parce que. Voilà. Bah, parce que l'estomac il a shrink, quoi. Ouais, mais. Enfin, c'est. Bon, j'étais une sale grosse merde aussi. Oh, pardon. La vache, la violence envers soi. On est ah, que 200, j'en consomme 50. J'ai pas repris des vies. Ok, bon, j'ai récupéré des tubes. Ah non, je n'ai cherché que du plastique ici, ouais. Ah, et regardez s'il n'y avait pas du catérium aussi. Est-ce qu'il y a du catérium dans le coin? Catérium or. Ah, il me faut aussi des poutrelles tant que j'y suis, tiens. Allez, je vais prendre des poutrelles. Ah ouais. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Le plus proche, il a 800 mètres. Mais il faire en sorte que ce qu'on pose adopte immédiatement la couleur qu'on veut. Alors, est-ce qu'il y a un moyen? Même parce que t'as Isha cherche le moyen, moi réponds directement non. Si tu fais clic droit sur la couleur, ça te permet de select active swatch. Ah ouais? Oui, tu cliques droit sur la couleur et tu peux sélectionner le de quoi. Et du coup, je suppose que Active Swatch, c'est ce que je pense. Donc là, si par exemple je prends un truc que je peux créer, genre une usine comme ça. Oui, ça l'a créé dans ma couleur. Non, attends. Non, ça me l'a créé pas dans ma couleur. Ah non. On m'a menti. Non, non. Le jeu. Pourquoi tu dis Active Swatch? Attends, et alors du coup, si... Il y a forcément un moyen. Ils peuvent pas ne pas l'avoir fait. Ils pensent tellement à tout constamment. Ils peuvent pas avoir pensé à... Enfin, avoir... Si tu trouves, je me le dis, parce que moi, je trouve pas. Mais le truc, c'est que, en fait, plutôt que d'être rouge, mes usines, elles sont noires entièrement. Ah. Pas bon, ça. Sera
le trop dark. Comment ça? Parce que devine, elles sont noires. Trop dark. Le jeu, il est méchant. Prout, tu n'es. Prout, oui. Vous l'aimez bien le prout, hein, je l'entends tout le temps. Hein. En fait, il faudrait des stats sur le soundboard le plus utilisé. Je peux que le prout, il est en haut, mais genre de loin. Mon dieu, je viens de me rendre compte que tu peux. T'as plusieurs hotbars. Oui. Je savais pas que. 10. Ouais, voilà, 10. Je savais pas qu'on avait ça. Mais jamais c'est quoi le bouton pour les switches, genre je dis. Mais Alt, Alt et la roue. Enfin, la molette. Ah ouais. Ouais, c'est tout. Hein. Ouais. Faudrait que je fasse quelque chose. Faudrait que je me fasse un set build. Attends. Mais on peut éditer les couleurs par défaut. Ah. Bon attends, je te laisse gérer ça, moi je. C'est déjà de me prendre la tête avec mon usine, on verra après. Attends. Mais du coup si on change la couleur par défaut. C'est du noir, je comprends. Ah. On va la voir de loin, l'usine. On va la voir de sale loin. Quand tu vas passer par Star Wars Event, tu vas regarder à gauche, tu vas avoir une usine énorme, tu vas faire oh. Oh. Là, ça tape, mais on reprend direct. Moi je vais aller par là. C'est pas même... Ah du prout. Aïe 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 aïe. Comment ils sont pas affectés par le prout eux? J'y pense, mais plus juste le grappin, et on est dans Just Cause 3. Hein. Dans Just Cause. Hein. Entre le parachute, le. Si on est dans le prout, il respire le prout, c'est pas faux. Entre le parachute, les bottes qui font slider à vitesse AV max 40 000 km, plus que le grappin, et on est dans Just Cause. Hein. Pourquoi ils sont tout noirs là maintenant mes trucs aussi? En fait, je crois que j'ai compris. Si tu le mets en défaut, il inverse le pattern de couleur. Ah. Et moi, je les ai eu tout noirs et pas bleus, alors que normalement, j'aurais dû les avoir bleus si c'était inversé le pattern. Moi, ça marche. J'ai mis un autre pattern où j'ai inversé les couleurs et maintenant, je fais se poser les trucs rouges. Moi ça l'a fait avec le concrete alors. Mais... Ça a le concrete mais pas le reste. Non, je vais réessayer moi. Ça les fait pop en bleu. Mes usines seront noires. Ça les fait pop en noir. Merde, bah c'est tout cassé.
me saoule. Attends, je vais la repeindre après, donc le balérin. J'ai besoin d'ichat, c'est bon là. Je me fais emmerder par des créatures. Et honte. Fais en kikiné. Oui. C'est honteux. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Du nouveau fer. La merde. Merde. Bon, je relance l'analyse parce que c'était vraiment de la merde. Excellent, il y en a à côté. Tu me dis qu'elle est en bas, je te jure que je te tue, Lulu. Je te tue très très fort. Je te tue même deux fois. On est d'accord? On est d'accord. Oh, c'est de la pure! C'est de la cocaïne pure! Pardon. Et ça, tu dis des bêtises. Oui, je sais. Elle est en train de péter un câble. Elle a eu une dure journée de travail. Casse-toi, Jean-Pi. Ah, j'applique mes expressions maintenant. Ah, navré. Oh là là. Je regrette tout. Je regrette tout. J'ai mal aux jambes. En même temps, c'est ça qui prend. Très bien. Si vous voyez les positions que je prends dans mon fauteuil, vous direz mais pourquoi t'as pas mal aux jambes plus tôt ? Parce que je suis débile. Non mais là, si vous voulez savoir, je suis littéralement en train de squatter dans mon fauteuil. Je suis en position de sous-cabriette. J'ai les pieds bleus. Bravo. Merde. Squish week. Oh non, j'aurais pas assez de tuya. Oh. Faut que je refasse un aller-retour. Faut que je trouve un endroit où me raccorder au réseau. Ça va, je suis pas trop loin. Attends, par contre. Pardon, je me revoilà. C'est rien. Tuya. Quoi ? Vous êtes arrivé ? Oui. Bah, c'est Tuya. Faut que je me rentre encore. Partout à la forêt. Parez-vous les arbres. Parez-vous les plantes. Alors, du coup, qu'est-ce que tu as dit, Sora ? J'ai dit que j'allais me tuer. Et pourquoi ? Et vas-y, faut que je fasse aller-retour au tuyau. Un aller-retour au tuyau, oh non, aller-retour au tuyau. Barrez-vous les arbres, je vous hais. Du coup, j'ai changé de main couleur, maintenant je suis noir avec des liserés rouges. C'est le jeu qui a décidé pour moi. Ah, pourtant, le jeu est censé me prendre cette couleur, qu'est-ce que. C'est bugué, c'est pour ça ?
Oui. Ouais, moi aussi c'est planté, j'ai essayé de faire ça et en fait bah, le jeu il m'a dit Oh, je l'ai laissé en noir. Quoi? Oh, pourquoi ma machine elle est rose? Ah attends, est-ce que ça parce que genre j'ai changé la couleur de base, est-ce que ça l'applique à tout le monde? Je crois parce que ma machine est rose là, j'ai construit une usine, elle est passée en rose d'un coup. Mais oui, tous les trucs sont roses, Isha. Ok, c'est bon, regardez. Ah ça a pris What, ça reset toutes les couleurs? Je vais le tuer! Ah non, ça reset que les couleurs qui n'ont pas été appliquées. Non, non, ça change pas bon. Ça change pas les bâtiments qu'ils étaient. Ok, bon, c'est bon à savoir. Okay. Mais du coup, non, ouais, normalement, le truc Applique Swatch, c'était bien ce que je disais en fait, mais c'est juste ça fonctionne pas. Bah, du coup, j'ai des usines qui sont grises aussi maintenant. Ouais, c'est étrange. Normalement, c'est censé pouvoir fonctionner comme ça, mais le jeu. Ou alors, normalement, la peinture, on est censé avoir un autre objet. Je sais qu'il y a des trucs de peinture que tu es censé pouvoir faire, enfin. À base de pétales de fleurs, donc je sais pas si c'est à cause de ça. Je sais pas. Oh putain, ça stack par deux. Okay. Je vais retourner à la base, je vais faire des ordinateurs. J'ai plus de sang dans ma tête. En fait, je me suis rendu compte, je suis arrivé en bas, je me suis rendu compte qu'il manquait une des pièces qui était bah, pour payer de ses piles au compte. Du coup, je suis remonté en sprintant. Et puis voilà. Voilà, j'ai éclairci la zone. Une putain de forêt maintenant, ça ressemble enfin à quelque chose d'intéressant. Qu'à une usine. Il y a des feuilles qui clipent là, ça vient d'où? Qui toi? Qui ose perturber ma magnifique usine? Tue-le. Voilà. Ah, c'est mieux. Ah non, c'est pas mieux, il y a encore des trucs qui osent perturber mon usine. Et alors Exia, tu penses te stopper à quelle heure finalement? Mais je n'ai pas mis de tracking depuis tout à l'heure. Donc ça veut dire que ça fait 1h49 minutes que tu n'as pas mis de tracking. Bravo. Bah oui, mais j'oublie tout le temps. Je vais te mettre un rappel avant chaque stream. Y'a le tracking. Bravo. C'est bon, la première chose que j'allume le tracking hein. Mais c'est j'oublie. C'est Exa, tu sais ce que c'est. Tu sais très bien ce que c'est. J'ai des trucs, je les oublie, j'ai des rappels dessus. Après, moi j'ai aussi une bonne raison du fait que je l'oublie pas. Parce que sinon le PC il démarre pas. Non, c'est parce que je passe toujours 5 secondes avant chaque stream. 5 secondes. Entre 5 secondes et 20 minutes avant chaque stream à jouer avec mon avatar parce que... Euphoria, tout ça, tu sais. Ouais, ça aide peut-être aussi, hein, du coup. Voilà. Moi, j'ai plus de souffle. Bon, bah si je m'évanouis, vous inquiétez pas. Si, un peu, quand même. Non, ça devrait aller. Et quoi, les mitrailleuses, d'ailleurs? Bah, il faut aller pour les mitrailleuses, il faut la raffinerie qu'on vient de débloquer, mais d'abord je dois faire les PC. Et il faut que je ramène. Je pourrais pas faire balle automatiquement parce que le soufre il est tellement loin. Donc je ramènerai juste des conteneurs complets. J'ai oublié de relancer le scan, je suis trop bête. Ah ouais. Bon, c'est pas grave, hein, t'inquiète pas. Alors. Mais du coup, ouais, je vais refaire. Ouais parce que alors, le scan, le truc c'était fini pour le hard drive mais c'était de la merde en bas. C'est nul. Alors, donc, maintenant j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Donc, il faut que je produise avec ça et ça de l'acier. Après avec ça je fais du béton. Attends, est-ce que je fais du béton avec de l'eau? Est-ce que j'ai de l'eau assez proche? Du béton nettoyé. Non, parce qu'on avait du béton amélioré avec de l'eau, ouais. Là ça consommait pas. Mais le béton nettoyé là. Ouais, mais en fait le problème c'est que l'eau elle est à. Elle est méga. Elle est loin. Ah, quoi que je peux essayer de prendre l'eau qui est là-haut. Oh, attends. Et PC, oh ça va bien mieux. J'en aurais 20 sur moi des PC, c'est pas mal. Ça c'est une cascade et y'a. Ah, c'est les câbles en plus qui vont faire chier. Ouais, y'a de l'eau là, c'est une cascade hein. Ouais. C'est vraiment là, je sens, hein, j'ai plus de sang dans ma tête, au secours.
Ça c'est de l'eau. D'accord, c'est de l'eau. Oh. L'eau. Ah mon live, franchement je l'ai plein. Je suis parti la moitié du live. La moitié du live, t'es parti une minute, ça va. C'est long. Si le reste du temps je construis des ordinateurs en appuyant sur un bouton. Bah, tu sais Isha, il y a bien des streamers qui font des centaines de vues alors qu'ils sont littéralement en train de pioncer. Mais dorme, ils font des mouvements en dormant, tu vois, t'es là, t'as... Je trouve ça... Alors je vais pas vous mentir, j'ai rien contre les gens qui font des lives sleeping machin et tout, mais je trouve ces streams intéressantes. C'était vraiment arrivé, t'as fait ça, pardon. Eh oui, mais je suis désolé, mais attends, tu fais un stream, tu pionces, PTDR. Après, si ça se trouve, c'est juste la partie d'un truc d'un live 3 jours, tu vois. Non, il y a vraiment des gens, ils font ça que de leur stream. Ah. Ils passent leur stream à ces pions. Écoute. Comme ça, je compte de la radiation. Et toi, on te disait, est-ce que tu veux être payé en dormant? Ouais, je le fais, mais Échec et bat. On n'a pas encore les combinaisons à ce matin. On n'a pas de combinaisons à ce matin. Et à côté, t'as Kevin Jurkirchon qui fait des lives où il taf. Il taf, c'est-à-dire il fait... Je sais même pas dans quel taf il est maintenant. Ouais, mais encore, c'est son taf, il est intéressant, c'est cool. Le taf apiculteur. De mémoire, Kevin, il est ingénieur, donc c'est cool, tu vois. En vrai, le truc apiculteur passe très bien, hein. T'as l'ambiance et tout, si t'as des bons micros avec, t'as une petite ambiance. Street Table Excel, let's go. Il faut quoi pour faire une pompe? Water pompe, il me faut des... Oh, j'ai pas de cuivre, shit. J'ai du cuivre sur moi. Ouais, je peux faire des cuivres shit à la main. Mama. On est bien. T'as la quantité de vis que je suis en train de manger. Regardez-moi ça, ce chiffre. 48. Oh. 74% de fait. Calcul est plutôt simple, du coup, hein. C'est pas mal. J'aimerais bien une machine qui permet de démonter des trucs. En vrai. Vas-y. Toi, tu la places, tu l'alimentes, et genre, par exemple, si t'as des câbles en trop, là, et paf, tu la transformes en cuivre. Ouais, après, ça veut dire que tu transportes 500 000 de cuivre. Oui, non, mais genre, imagine, tu vois, je suis là, j'ai besoin de copper sheet, mais j'ai 1 milliard de câbles sur moi. Ah. Ouais, genre un truc qui coûte pas cher mais que tu puisses faire, ce serait trop bien. Je vois. I see. Non, I see où? Moi j'ai trop. Ce que t'as dit I see. Moi je dis non, I see où. Putain. D'ailleurs c'est... salut Teddy. Oh, je sens la pizza. C'est que en vrai d'un côté je me dis j'ai bien envie d'une pizza, d'un autre côté j'ai tellement l'habitude de voir des... Oui, it's too long, moi bon, j'étais mort. J'ai tellement l'habitude de voir de la bouffe, pas de la malbouffe parce qu'en vrai c'est pas dégueu, mais au boulot j'ai tellement l'habitude de voir des frites, des trucs comme ça, que là en ce moment on est ras le cul des frites. Je veux manger autre chose, sauf que étant donné qu'on n'a pas vraiment le choix des menus parce que c'est des trucs qui sont... c'est gratuit, donc c'est cool, c'est la bouffe gratuite, tu vois. La bouffe gratuite, c'est toujours bien. Mais j'en ai ras le fiac de manger Ouais, je vais attendre. Need deep water. Mais elle est pas assez deep la water là. Comment ça, elle est pas assez deep la water? Oui, je sais, il y a de la radiation, nanana, mange t'es mort. Comment ça, elle est pas assez deep? Merde, elle est pas deep la water en fait. Putain, j'ai senti l'éternuement venir depuis 2 minutes là. Mais elle est pas deep du tout en fait la water. Oh non, putain. T'as pied depuis le début.
Ouais, du coup, je me suis fait troller par l'eau. Leur méga pied, en fait. C'est une flaque d'eau quoi, dans quoi tu te baignes, là. Ouais. Il y a des plantes à prout. Et là, c'est vachement comment, brouillard. Là, elle est deep ou elle est pas deep? Elle est méga deep. Elle est deep. Elle est deep, mais elle est sale loin. Alors, elle est pas deep. En 42. Ressources in the way. What the fuck, dude? Voilà. 11 computers. Bon, par contre, du coup, il va falloir que je revienne pour aller chercher du copper sheet. Par contre, du coup, j'ai trouvé 7 de 5-6 petits machins d'uranium. Donc, en vrai. Ouais! Bah, c'est pratique, mais. Ouais, c'est pratique, mais. Vraiment, c'est un peu chiant. Oh! Un Dogo! J'ai pas de B. Bon, bah, reste bien gentil, le Dogo. Et 23 à faire. 23 ordinateurs, bordel. Ah, j'ai pas de Toyo rechargé. Attends. De Toyota? De Toyo. Val. No machin. Moi j'aime pas les no machin. Moi j'aime bien avec le. Le clac. Ça blesse bloup bloup bloup. Je trouve ça trop cute. Et j'ai. Il me manque des vis. Je vais attendre un peu parce que j'ai pas assez. Il m'en faut. J'ai dit j'en ai combien là sur moi? Je vais en avoir. Il manque. 25. Donc faut que j'ai 250 de circuit électronique. Et 50 sur moi, plus que 200. Ouh! Oh, très bien, faut que j'aille chercher des copper sheets. On a un peu un stack de plastique en plus, quoi. Non, je veux pas me battre, je sais pas quitter, mais je veux pas me battre. Casse-toi. Hop. J'ai pas le temps pour ça. Radiation. À 100% ce truc là, ouais. Sauter de la cascade. Bon, en vrai, je vais faire l'alerte pour ça plus. On a foutu de sauter de la cascade. Ah, le MAMS il a combien? La recherche. Je sais pas, elle doit être à. Une minute, allez, on va l'attendre ici. Et c'est coup, où la production de copper machin chose là? De copper. À côté de l'usine de je sais plus quoi, c'est. Attends, sur la carte. Tu vois le chemin vers Stairway to Heaven? Bah, tu devrais être droit dessus normalement là, tu devrais tomber dessus bientôt. Ah, ok, je vois, c'est la boîte rose. Ouais. Okay. Des boîtes, c'est pratique. Je reconnais direct quand tu es de mes usines, tu sais que c'est lui. Je préfère mes usines à moi, tu vois, là on voit la différence, je préfère les miennes. Que vous voulez des tilted walls? Quoi, c'est des murs. Des murs penchés. Ah, penchés, je sais pas, moi tilted ça me faisait penser à genre. Incliné. Faire des toits toi, notamment. Des toits ou des rangs? Des gens sur Twitter. La résine polymère, j'en fais quoi? Résine polymère. Ah oui. Alors c'est un déchet pour l'instant, mais plus tard tu pourras le recycler en d'autres trucs. Donc mets un conteneur, t'en produis pas tant que ça. Et au pire, si tu peux mettre un assomme pour les faire disparaître. Alors, on a les steel crew, c'est de la grosse merde. On a crystal computer. C'est pas oufissime. Les cristals, c'est super chiant à faire. Ouais. Et on a le Caterium amélioré. Allez, je reset la truc. Ouais. Ouais. Ça s'imbrique bien dans le... Ça s'imbrique bien les Toyo, oui. Oui, putain, ça s'imbrique très bien les Toyo. Alors, donc du coup, j'allais dire... Qu'est-ce qu'il fallait que je... Hein, je sais plus. 91, ça monte. Ah, pas pris. Je suis déçu. Extrêmement déçu. Ah oui, du coup, vous voulez l'étoile inclinée ou pas? Non. Non. On a pas 10 000 trucs restants, hein, par les fondations qu'on boude de manière assez sévère, il reste plus grand chose à rechercher. Hein. Les voitures. C'est vrai qu'il y a. Les petites voiturettes. C'est vrai que, il faudrait que je recherche pour qu'on puisse prendre la Tesla, là. Le truc. Bah non. Ah, la voiturette, la petite. Hmm.
C'est le débile, tu peux faire un petit circuit de cartes et on peut rouler ensemble. Bah voilà. Ça se craft comment ce truc là? Ça coûte rien. Tomber de stacouette, ouais. Ah mais ça se craft où? Première vraie question, ça se craft où? Ah c'est peut-être un truc que tu déconstes. Attends. C'est un truc que tu crées genre dans les équipements? Je crois que ça se fait avec l'usine basique de construction. Non, c'est avec l'équipement. D'accord. Un équipement du coup, je sais pas pourquoi. Genre je le déploie? Ah oui. C'est une petite voiture, c'est rigolo. Va pas changer, vite, mais elle est marrant. Va changer la caméra en plus, c'est marrant. Bah c'est surtout un process. Je dis qu'elle va pas vite, mais et comment je la récupère? Je la déconstruis? Ah ouais, et du coup ça me la redonne. Ah, tu peux lui donner un autopilote en plus. Oui, moi j'appelle ça les cartes des Américains, tu vois. Les petites cartes quand ils font les courses dans les gros magasins, tu vois, ils sont en mode de toup 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 toup. J'étais venu pourquoi moi déjà? Eh, ça va quand même à 50 km/h hein, ce truc là. Ah bah c'est une 50, c'est un scooter quoi. Ah par contre ça te freine pas? Non. Ça marche pas non plus. Ah si. Est-ce que... C'est un petit scooter, tu vois, c'est genre... Ah, tu peux t'en servir pour faire les chemins en véhicule. C'est pour tracer le truc d'autopilote. Ah. Putain, je suis en train de prendre de la radiation plein le cul, là, je viens de choper deux cancers. Ouais, je sais le titre. Ok, je vais chercher ça. J'ai plus que moralement un aller-retour à faire et c'est cool. Le changement de texture est immonde. En 41, ouais. On a l'air tout. L'eau bof, l'eau jolie. L'eau bof, l'eau jolie. C'est magnifique là, c'est. Texture. Et plus de vitesse, plus de vitesse. Nous devons rentrer chez nous très vite. Plus de vitesse. Du coup, ça prend quoi pour la crafter? Bon bah, je n'aurai jamais la réponse. Je crois que c'était un truc, c'était pas cher, c'était genre un rotor. Je sais plus c'est quoi les autres trucs. Les autres trucs, c'était tellement... Genre vraiment, le seul truc que j'ai vu qui coûtait cher, c'était le rotor, donc. Et encore coûtait cher, hein. Un rotor. Donc ouais, là-dessus ça va. Ah, je me fais agresser par deux trucs. Je me fais agresser par des radiations et par une bestiole. Je sais plus ce qu'il me fallait pour les PC, mais... What? Je 88, il me fallait des vis. Encore. Another one.
toujours plus de vis, et pourtant à chaque fois je me trompe quand même hein, sur le remplacement des vis. J'ai le stockage des vis, c'est un délire. Pourquoi elle fonctionne la pompe ou elle est cassée hein? Ouais, ça a l'air de marcher. Dieu, j'ai assez pour faire tous les PC. Oui. Ça amène de l'eau. Là, c'est les dernières PC, c'est le dernier PC que je fais. Nous allons débloquer la technologie. Le monde va être révolutionné. Ça clip au travers. Alors, hop, ça dégage. Hop, voilà, c'est parti. À la moitié. Hop, 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 hop. Ah. 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 Ah, on peint tout ça. C'est joli du violet tout. Hop. Oui. Oui, je sais, tu bouffes des radiations, arrête ouais. De pleurer. J'ai cancer du cul. Alléluia. Wow. On a atteint la technologie. Ah, le ouais. Prochain, ouais, regardez, on a la MK4 maintenant. Coûte quoi déjà? Des beams, il nous en faut beaucoup. Bon bah une fois que... Des beams, les trucs carrés là? Oui. Mais en vrai, comme je l'ai dit, une fois qu'on a remplacé le charbon niveau énergie, c'est fini. Le jeu, on le plie en deux. Ouais. attends, faut que je relie mes tuyaux maintenant. Oh mais je pourrais le faire ça, c'est pas... un truc où il y a juste besoin de la quantité, je peux le faire ça. Non, c'est pas ça le problème. Je suis en train de faire l'usine en fait pour le faire. Non, mais les beams carrés, on va en faire d'autres d'usine, hein. C'est toujours utile ces trucs-là. Hein. Les gros frames carrés à machin truc. Ah non, je parle du celui béton armé là. Ah ça, Isha, au secours. Quoi? Il faut que t'amènes des grenades. Ok, alors attends, deux secondes. D'abord, le hard drive. Ah mais je peux aller chercher mes explosifs en attendant. Il y a deux ennemis à tuer. T'inquiète pas, ils seront pas assez. Oh, je vais mourir d'un cancer dans pas longtemps. Pas bien. Par là. Avec l'air flèche, j'ai l'impression que les tours, elles étaient blanches et pas métalliques. Ça faisait vraiment... Ça faisait très... je saurais pas dire, mais du orange blanc en couleur, ça me fait penser à un truc, putain. Je sais plus. Non, ma mémoire me trahit en direct. attends, non, j'étais sur la bonne direction. Allez, c'est bon, on voit à plein effet mon cerveau à son œuvre. Là, tu fais comment ? Marche sur le tuyau, très bien. Je sais pas si l'eau elle descend. On va me faire chier à mettre des ponts dans tous les coins. Arrête de me dire que tu prends des radiations, je sais, il y a de l'uranium partout dans le coin. T'es complètement irradié, bordel. Ouais, t'es invivable. Ok, j'ai 150 explosifs, je pense que ça devrait faire l'affaire. Alors, du rubber recyclé. Oh, Exia. J'ai ouais. Heavy mais flexible frame, ça t'intéresse ou pas? Ça utilise... Ah mais non, mais ça utilise du caoutchouc, putain. Attends, je vois un peu ce que c'est. Je dis quoi? Je vais regarder aussi dans le MAM. T'inquiète pas. Je crois qu'il me reste encore un hard drive derrière à configurer. Alternate recyclé de rubber. Alternate heavy flexible frame. What the fuck? Ah, du rubber, j'en ai pas. Ok, bon bah reset du coup.
En vrai, on prend le heavy flexible parce qu'on sait jamais au cas où. Ouais. Et je relance un et puis c'est parti. Bon bah Sora, j'arrive. T'es parti d'où avec les câbles? Tu pars de derrière l'usine à charbon de la base. Il y a une ligne qui part et tu vois qu'il y a un poteau qui est pas encore coloré. Je crois le voir. Le réseau de transport électrique. Ah, d'ailleurs, d'ailleurs Sora, tu peux jauger la taille des générateurs électriques à pétrole. Je peux pas les poser, enfin je peux encore les voir, mais je sais qu'ils sont gros. Ils sont vraiment larges, sa mère. Si Croco, je vois que c'est la première fois que tu viens aussi. Hein. Je sais pas encore combien est-ce qu'ils consomment par générateur. Je sais plus non plus. Malheureusement. Isha, Sora, je peux vous poser la question. C'est quoi la question? Est-ce que vous aussi vous avez le dent? Non. Non? T'as pas le dent? Non. Le quoi? Je viens de retirer mon casque et j'ai senti le dent. Sora, passe ta main au-dessus de ta tête. Oui. Est-ce que tu sens le dent? Le creux. C'est pas ce que c'est. Est-ce que tu sens le creux du casque? Non. Sérieux? Ah non, moi mon casque il est doux. Non mais c'est juste le poids en fait qui fait ça normalement. Oui mais... J'ai pas mal de cheveux Exia donc... Oui moi aussi mais j'ai quand même un peu légèrement, c'est pas non plus prononcé comme certains streamers qui ont des creux, mon dieu, moi j'ai juste... C'est juste... En fait c'est juste plat du coup. Et là, je sens tout le monde dans mon chat qui a retiré son casque en mode... Est-ce que j'ai un creux sur la tête? Mon dieu, c'est... Au loin, t'as les énormes éclairages. Éclairé, chat. Bon, Ah, putain, dire qu'avant... La game que j'ai, je dois faire le tour de la plage pour y aller. Là, vraiment, juste, je m'accroche et c'est bon. Les poteaux électriques, ils descendent jusque-là et c'est bon. Pourquoi tu t'y... Croco. Ah oui, c'est vrai que tu l'as converti. J'ai une bosse depuis tout petit. Ah ouais, bah... Non, bah... T'as qu'à poser ton casque sur le creux et paf. T'auras pu... Oh là là, c'est magnifique ce que tu fais, Sora. Alors c'est où que je dois détruire? Il y a des... tu vois les bestioles là-bas, là? Regarde, je regarde. Attends, je sais même pas où t'es... Ah là? Là-bas, là. Il y a des bestioles géantes qui des fois viennent sur mon power plant. C'est inacceptable. Attends, je vois d'autres choses qui vont être détruites. What? Ah, ils sont juste mortes. Tu veux de l'aide? Ouais, parce que je dois taper sur le truc. Ah non, c'est juste qu'ils meurent, mais avec un décalage en fait. C'est là vraiment... Bonjour. Yumao Shundelu. Bon, j'ai une mauvaise nouvelle, je vais même pas pouvoir finir l'usine, ni même la commencer vraiment. Là, t'as arrêté? Ouais. T'inquiète pas. Des computers, des heavy modular frame et du rubber. Vers les fuel générateurs. Au moins. De quoi? Il faut des ordinateurs pour faire des fuel générateurs. Ah. Bah, ça sera au prochain live du coup. Hein. Ok. Ouais. J'ai déjà fait le cœur. Alors je fais fuir les bestioles et puis Mais c'est du compact ça donc je peux pas le faire ici. 45. Si je les fais migrer loin ça te va aussi? Oui. Enfin... Et après je sais c'est pas si... Ils reviennent souvent, ça le problème. Voilà, ils sont en train de faire la trempette pour l'instant, ils sont partis trop loin. Alors, donc du coup, t'as dit que je peux te faire un ordi... Il t'en faut combien d'ordinateurs pour un? Il t'en faut 5 pour un. Putain, je crois que j'ai pas assez. Je sais pas c'est quoi le matériau qui manque.
Il me faut aussi des modular frame et du... J'ai des slugs sur moi. J'ai des slugs. J'ai des modular frame. Ouais, 4. J'ai détruit la faune locale. Ah, tu as une partie. Ah non, mais c'est ce qu'on m'avait demandé. Hein. On n'a pas besoin de cette faune locale. Cette faune locale n'est qu'un problème. Mais c'est quand même bien plus propre, trouve pas, sans les trucs à mi-chemin. Les pipelines. Oui, c'est plus joli. Avec ça te plairait. Alors, est-ce que j'ai de quoi faire des sortilateurs? Qu'est-ce qui manque pour faire des ordinateurs? Non, il manque absolument tout pour faire un PC. J'ai pas les modular frame et le rubber sur moi. Hein? Enfin, j'ai pas les modular frame et le rubber sur moi, faudrait que j'aille le chercher aussi. Ouais. Bah écoute, y a un chemin. J'ai regardé pour essayer qu'on en fasse au moins une, comme ça on peut lancer une. Surtout voir ce que ça consomme. Ouais. 81, moi j'en veux 240, voilà. Oh les lights. Ouais, je te jure, de loin c'est terrifiant. Oh, si tu les mets en rouge, vraiment ça fait c'est menaçant. Ah, ça fait un peu le node si je les mets en rouge. Le node. Regarde, les bestioles, je les ai repoussées jusque là. Hein. Ok, c'est bon, voilà. Ça suffit. Et reste là, ça va, sinon tu me rappelles, je rechasse à coup de dynamite. Ok. Attends, je sais pas si... Est-ce vraiment, c'est tellement pratique, hein, ces grands poteaux. Putain. Non mais ce serait impossible. Non mais non, je l'ai fait, donc c'est possible, mais... Non mais je veux dire, j'aurai la patience, j'abandonnerai. Il y a un arbre sur le chemin, fais attention. Je sais. Je dynamiterai sur le retour. Mais ouais, en vrai, je jure, franchement, les allers-retours sont plus simples. Là, la moitié du temps, à part quelques échanges, tu restes appuyé juste sur le truc. C'est vachement simple. Attends. C'est N dans 240 divisé. Merde. Ah. On les fait où, les E-frames? N'en fais pas encore. Hein. 5,33. La Terminado, alors? C'est ce que Exia fabrique en ce moment en usine. 5,6. On a besoin d'Exia alors. Oui, non, mais elle est en train de faire, mais c'est pas pour tout de suite. Hein. C'est super chiant à faire. Mais ça se craft à la main donc. Ouais, si tu veux faire un ça, ou deux, tu vois, ça peut se passer. Il m'en faut 10 par générateur. 162. Ouais, tu vois, si on peut faire deux générateurs, ça passe, tu vois. Donc 10 par générateur. Ok, je peux en faire deux actuellement. Qu'est-ce qu'il manque? Il manque des frames. Ok. Je vais te les faire. Va chercher, ouais, les... va chercher aussi les circuits et tout ça, et du plastique. Ok. Bref, les trucs chiants, quoi, qu'on n'a pas. Hop. En ce temps-là, je te fais tes easy frames. Le fait que t'en aies deux, comme ça, moi... Si je peux en faire 6... de chaque. En vrai non, avec deux usines de tuyaux, je crois que je m'en sors, ça produit combien tu... Les constructeurs normal, de mémoire, enfin les tuyaux. On produit 20 par minute. Ouais, donc en fait non, je m'en sors avec deux usines de tuyaux. Donc il faut 5 fonderies. Hop, on va mettre les capsules au casse-pipe. J'aime pas diviser en 5. Combien ça nous faire de production, ça? Ah ouais! Ah ouais! Coupon! J'aime bien, c'est qu'on a une production constante de points. Okay.
Du coup, j'avais dit... Ah oui, faire les PC. Voilà, bon, je pense que ça devrait être assez. Faire les PC, il fallait des clous. Ah, le mât est fini, yes. Je vais checker ce qu'il y a dedans. À moins que tu veux le faire, Exia. Ah, j'ai regardé dans deux secondes, je t'aime. Juste de faire un peu de béton. Alors, viens voir. Nous avons... Ah! Un truc banger? Alors, on a un truc nul, qui sert à rien. Alternate Automated Miner. Rien à foutre. Bon, je vais jeter un coup d'œil parce que je sais que je pouvais voir du coup. Ah oui! Vraiment, rien à foutre. Ah ouais? Rien à foutre, mais à un niveau absolu. Par contre, Alternate Flexible Framework. On remplace un peu d'acier par du rubber. Ouais. Et les iron plates, rien à foutre. Alors, moi je dis celui du milieu, on prend. Hein. Vas-y, vas-y. T'as un autre disque dur là ou c'était le dernier? C'était le dernier. Attends. J'ai encore le truc si je fais échappe. Non, ça. Je sais, justement, moi la question que je me posais c'est est-ce que machin, j'ai essayé, ça marche pas, on n'a pas de nouvelles recherches. On n'a pas de on triche. On peut pas cheater le jeu. On peut pas cheater le jeu. On va totalement tricher le jeu. On va reset. On peut pas tricher le jeu. Connais le mensonge. Bon, du coup, les enfants, je pense qu'on va s'arrêter là pour ça. Oui, les enfants. Alors, est-ce que ça t'embête si tu attends qu'on fasse au moins un générateur d'énergie pour savoir combien ça consomme? Ouais, vas-y, faites. Là, il manque une frame et après, il manque des ordinateurs. D'ordinateur, il y a Sora qui va cercer quelques pièces qui me manquent. Vous allez cercer. Il est en train de cercer. Hop. Voilà. Non, j'ai rebondi sur place, ça fait tu toujours du plastique aussi. Ouais, le plastique c'est au cas où. Je prends juste un stack, c'est toujours pratique d'avoir un stack de plastique. En bête. Suite à. Putain. Tu me tues avec tes conneries. Bon, toi, donne-moi tes 100 limestone qui traînent là-dedans. Ok, bon. Hop. Sora, il va arriver tel... Il va arriver avec les dernières pièces qu'il lui faut. Yep. Ça, c'est beau. Et je vais regarder ce qu'il manque. Je vais poser un coffre et je vais mettre toutes les ressources qu'il faudra que tu prennes dedans. Sans moi. Petit coffre, là. Alors il faut les PC. Hop. Je peux diviser par égal sur 5. Les 4 modulaires. Ou quoi d'autre pour faire un truc comme ça? Où est-ce que c'est cette power? Le générateur, il faut aussi 15 moteurs. Oh non, l'usine de moteurs, elle est où déjà? J'ai des moteurs. T'as des moteurs, ok. L'usine de moteur, elle a indiqué. Oui. Il a les moteurs. Le rubber, tu l'as. Le caterium, tu l'as aussi? Oui. Ok, bah il faudra juste que tu que je crafte deux autres trucs et tu pourras récupérer le coffre et basta. Direction. Ça sera direction. Le pétrole. D'ailleurs, Exia, si tu cherches le pétrole, c'est celui qui est sur la plage à gauche. Avec l'île, okay. Avec l'île. Il est où? Je sais qu'il est à côté de moi le soir, mais elle est là. Bonjour. Tu veux quoi du coup? Alors, je veux... Putain, il me manque. Les circuits électroniques. Et du plastique. Je suis bateau des masses de plastique. C'est pour le raid, Kariga. Oh là là. C'est quand il a son étoile à fin là, mais. Ouais. Ça reste sur la fin. Oh. Deux.
Bonne année. Ok, j'ai posé tout dans le coffre. Ouais, récupère ce qu'il y a ici et puis t'es good. Il y en a un en trop, mais soit. Il y a quoi dans le coffre? Dans quel coffre? Ah, celui-là. Voilà. Tu peux littéralement récupérer le coffre complet, hein. Le rapide. L'MK2, c'est 120, non? Et il restera là. Faire tirer. L'MK2, c'est 120. Ouais, on a bien sous le MK4 à 400. Tout le monde, oh là là. Oh, ça y est, je suis riche. Oh là là, il est riche. Oh non, je me suis trompé de trucs, c'est pas les bons. Comment as-tu fait pour être riche? Je suis fatigué tous les jours, mais ça, c'est habituel. Hein? Train de live. Calme-toi. J'ai fait crash Exia avec un prout. Comment ça, t'as fait crash Exia avec un prout? J'ai pas crash. Elle dit que t'as pas crash, qu'elle a pas crash. Du coup, il y en a. Ah, mon stream a crash. Wow. OBS a crash. Le prout de trop. Comme quoi des fois. Il suffit de pousser un peu le truc et paf, tout est cassé. Mon dieu, le nuke obélisque. L'obélisque nucléaire. Du coup, je me dirige vers le... Il faut que je me dirige vers le pétrole, en fait, moi aussi. Je vais voir. Là, voilà, Kariga, bravo. Qu'est-ce qu'il est fort. Ah, l'énergie, elle fait des vagues. Elle fait des hauts bas, mais vénère. Bon, bah, du coup, je relance pas le stream. Hein, ça sert à rien, vu que... Ah, du coup, voilà. Ouais, après. Veuillez toucher chez moi. Ou chez Sora. Ouais. Désolé. Ah, de toute façon, vous n'avez pas lampé grand chose, ça va. Oui, de toute façon, là, on va couper dans pas long. Donc... Voilà, là, on se dirige juste. Que je pose mes centrales à enfin, pétrole et puis c'est bon. La centrale, t'as que de quoi en faire une. T'as pas de quoi en faire deux. Non. Bon, bah là. C'était trop long à faire. Donc, on n'a pas les PC ouais, semi-automatiquement. Faudra que je refasse l'usine, enfin, le truc de circuit board, mais au moins là, au moins ça s'est fait. L'usine de circuit board, je vais la refaire au propre. Pour les 7. On va le mettre là. Disons que c'est le prototype. C'est pour tester, voir combien ça consomme de pétrole et combien ça donne sur le réseau. Ça remplace combien de trucs à charbon. Au final, nos burners, ils sont toujours là, mais ils servent plus à grand chose. Hein. Les pauvres. On n'a jamais réussi à redépasser ce qu'on commence à mettre. Hein. C'est de la batterie, on va dire. Voilà, c'est de la batterie en plus des batteries. L'amorti plus. Après, les burners, au bout d'un moment, on pourra les remplacer par les batteries. En soi. Oui. Ah oui. Ah oui, forcément, s'ils sont pas setup, on va pas aller loin. Mais c'est marrant, pourquoi est-ce qu'ils produisent pas d'acier? Bah oui, t'as pas setup les machins. 12 par minute, oui. 12 par minute et tu remplis combien? Attends. Ah, mais t'as pas connecté, il faut que t'en connectes plus, hein. Là, t'en produis 4 mètres cubes par minute et ici, ça en consomme combien? 1 mètre, bah c'est censé être bon. Ah, 12 mètres, ah oui, 12 mètres par cube par minute. Oui, effectivement. Ah, ça fait un champ de production là. Attends, faut que j'étende le complexe à un niveau sans pareil. Bah, c'est pour ça en vrai le pétrole, c'est pour ça que je t'ai donné un truc complet. Hein. Là. Parce que là, t'en consommes, là, ici, t'en produis 4 max. Attends, non, c'est 40 par minute. Mais attends quoi? Faudra jouer si j'ai pas une. Pourquoi ça se stack pas? Parce que mon OBS est vraiment pas stable en ce moment. Truc de dingue. Bon, je comprends plus rien. J'ai du mal avec l'entrée que ça fait combien? 4 mètres de fuel par minute ou 40 par minute? À 40. Et... Ok, ici ça en consomme 12 par minute. Du coup, 45 fois 2. Pourquoi notre capacité elle fait des vagues absolues du coup? Je commence à rentrer des usines là dans le circuit. Non, non, notre capacité c'est la capacité de production énergétique qu'on a. Ah, pourquoi elle fluctue? Ouais,
mais c'est pas le fuel générateur. Parce que il faut. Non, c'est l'arrivée de pétrole. Non, non, le pétrole, lui, il est en train de monter, c'est bon. Il est à 100%. Il produit 150 en tout cas, 150, c'est pas dégueu. Mais oui, du coup, oui, tu vas avoir une quantité de trucs comme ça gigantesque. Hein. C'est pour ça qu'il faudra que j'automatise les PC. Une fois que ce sera fait, le charbon, tu peux l'effacer entièrement. Ah, mais là, on va le rayer de la map. Hein. Je t'ai donné beaucoup plus. Là, on n'aura plus jamais besoin de faire de l'énergie jusqu'à qu'on atteigne le nucléaire. Nice. Parce que là, c'est pour consommer 100% du pétrole que t'as, c'est ça? Ouais. Donc du coup là ça t'en consomme, là t'en as basiquement 3 par truc comme ça. T'en as un peu plus de 3, mais en vrai le petit surplus on peut le mettre de ce côté pour l'utiliser dans les véhicules. 18 ma set. Tu vois l'eau là, elle va disparaître, recouverte d'une dalle de béton, que des centrales. Ah ça j'aime bien. On donne envie à Yune de rejouer Satisfactory. Ah bah. Eh ben. 65 minutes. Mon dieu, la quantité de pétrole. Et surtout, après, tu sais ce qui va être marrant, c'est que tu vas devoir traiter tes déchets là. Enfin, tes déchets. Oui. Les résidus. En vrai, tu peux en faire du rubber ou des trucs dans le genre après, c'est ça qui est cool. Ouais, ça va. Moi, j'ai pas besoin de temps. J'ai un stock. Ouais, attends, je vais regarder de souvenir ce que tu peux en faire. Les crispy. J'ai laissé de la place un petit peu à côté. Ah, tu peux faire du fabrique. Ça c'est. Mais on saurait pas quoi de ça. Hein? Quoi ça nous sert? Le fabrique, ça nous permet. Est-ce que pour l'instant c'est des recherches, mais est-ce que ça nous sert à d'autres endroits? Ouais, c'est vrai. Pourquoi on peut faire de la fabrique? Mon dieu. Un truc de production à côté. La fabrique, elle est utilisée dans quoi? Comment on voit à quoi sert quelque chose? On voit comment le fabriquer, mais on voit pas à quoi il sert. Vas-y, pas, je me construis les 3 à l'envers, j'ai envie de pleurer. Oh, c'est chiant. J'aurais bien aimé, tiens, avoir une façon de. Équipement de crafting. Ouais, c'est que pour des équipements, donc il n'y en a pas besoin d'en fabriquer tant que ça. Enfin, au début, si, pendant un petit moment, mais après, plus tant que ça. Quoi ça pouvait servir déjà le. Je sais qu'il y avait des usages, mais je sais plus c'était quoi. Faire du rubber, ouais. Merci pour les 100 bits. Fabrique. Ah, le chat a tué quelqu'un. Oui, tu fais un joli badge. Oh punaise. C'est ça de manière tellement blasée, mon pauvre Sora. D'ailleurs, c'est dommage, vous avez les badges fondateurs, mais du coup, vous avez pas les nouveaux badges de sub. Quelle tristesse. Oh. Alors, il y a des trucs. Il utilise. Pourquoi ça produit pas? Des résidus de plastique. Je vais tout détruire. Ok. C'est Kariga. Non, c'est pas celui-là. On va couper l'arrivée de pétrole, hein, on va vider la raffinerie et puis. Ça s'éteindra. Que là, faut que j'organise tout. Il s'est rendu compte de la tâche que je lui ai donnée. Oui. Bon, après, au moins, de toute façon, c'est l'énergie, hein, quoi qu'il arrive. Faut que tu le fasses. Ce qui est terrible. C'est mon travail. Ouais, Sora. Qu'est-ce que tu fais avec ton assembleuse là? Je suis juste en train de regarder, mais je crois que ouais, tu vas juste pouvoir fabriquer soit du rubber, soit du plastique. Enfin, soit de la fabrique avec tes résidus. Ou alors il y a une recette qu'on n'a pas, mais. Le plastique. Les résidus de plastique. Nam nam. Bah, du coup, on va s'arrêter là. Sur la découverte que Sora va créer un champ de pétrole. Et devenir le véritable mania du pétrole. Il a toujours voulu être. Assez violent. T'as coupé les arrivées de pétrole là? Oui, j'ai coupé l'arrivée de pétrole. Mais il en reste en stock, donc il continue de consommer. Ouais, je vois ça. Ah, je pouvais en faire avec des pipes, c'est vrai. C'est que ça continue d'arriver, hein. Terrible. Ça continue d'arriver. Il y en a stocké, là.
Ah, c'est bon, le pipeline commence à descendre, c'est bon. Attends, du coup, si je peux même faire chier. Il est plein. Ah! Bon, il va être craché de l'énergie pendant un petit moment en fait. C'est pas grave, il sera coupé quand il sera attends. Coupé. Attends, là il est coupé. Il reste à 48. Et là-bas ça consomme. Et ça consomme combien? Ça consomme 60 par minute. Alors comment ça se fait que ces 60 ne sont pas utilisés? Est-ce que c'est parce que le tuyau ici est plein parce que ça consomme trop? Ça consomme pas assez? C'est ça le truc? Ah, le truc c'est que là je crois ah, oui. qu'il a tout mangé aussi. C'est ça? C'est en fait tu produis tellement de pétrole à chaque fois que lui là-bas il va mettre du temps avant de se vider lui-même en fait. C'est parfait. Là t'as l'énergie pendant un moment. Les 150 MW ils vont tenir. Après la centrale elle va être enlevée donc. 150 MW t'as dit que t'en poses 18? Oui. Ça fait 300. On est en dessous de ce qu'on produit encore actuellement. Pardon? Notre capacité actuellement c'est 3200. Et là on serait à 3000 de capacité, enfin à peu près à 3000 de production du coup. Ou alors mes calculs sont mauvais. Ah non, c'est à peu près ça, on sera un peu en dessous. Comment... Tu veux dire qu'on produirait autant qu'avec les centrales à charbon? Bah après les centrales à charbon t'en as quand même 3 spots hein. Ah oui mais il y en a une vingtaine. Je sais pas, 150 MW x 20, ça fait bien 300. Ça fait bien 3000. T'en as combien de trucs à charbon? Attends, je crois qu'il y en a 10 par spot, sachant que je sais plus exactement combien il y en a chez toi. Ah non, en vrai. On a quand même moins. Ça veut dire que ce serait pas suffisant. Ouais. Après, les centrales à charbon chez toi, elles restent, non? Oui, il y en a juste certains qu'on va devoir recycler, quoi, pour... Oui, mais elles n'utilisent pas du charbon, elles utilisent... Ah oui, ça le chale chez moi, c'est vrai que chez moi, il y en a un peu, oui. Et qu'on avait ajouté pas mal d'énergie comme ça. De toute façon, oui, ils ne servent que à ça, hein, c'est... Le pétrole brut, il peut que aller par là. Un fuel générateur, ça produit deux fois plus. Attends, t'en sors 120 mètres cubes par minute. Mais attends. Après, le truc, c'est que sur la capacité, on n'a pas les burners aussi qui sont là. Les burners, non, la capacité. Ah, si, peut-être. Est-ce que ça compte les batteries aussi? Les batteries, non. Parce qu'elles déchargent énormément, les batteries, si t'en regardes. Elles peuvent dégager, genre, je crois, c'est quantité juste ridicule d'énergie. Les batteries, elles sont là pour le power-up. Ouais, elles se déchargent à l'infini en fait. Tu vois, elles ont une vitesse de charge définie, mais elles peuvent se décharger aussi vite qu'elles veulent. Ce fuel générateur ne fait aucun bruit pour moi. Ah. Ça, t'as raison. Bon, bref. Il a raison. Il a raison. Mais ouais, du coup, on est sur... Déjà plus de notre production. Non, je suis en train de regarder combien tu vas pouvoir produire. Attends. Tu en sors 40. 40 fois... Ah oui, j'avais coupé le micro. Je me rends compte que la production de tubes en acier va être débile. Tubes en acier, de... Parce qu'en fait, j'avais oublié que... Faut que je refasse une partie de l'usine de l'acier. Parce qu'en fait, on n'a plus besoin de rods pour faire je peux faire des rods, des rods. On a plus besoin de faire pour faire du béton armé. Ah oui. Je peux faire avec des tubes. Ah, des tubes standard. Des tubes en acier. Des tubes en acier. Ouais. Du coup, je vais pouvoir faire un truc de débilitante. Voilà. On va certainement être en surproduction de béton armé. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Bah là, c'est vaut mieux ça, hein, parce que c'est utilisé pour les MK4. Ouais, je sais. Mais genre du coup, la prochaine usine de béton armé que je vais faire, ça va être une usine spé béton armé, ça va être un... 140 par minute.
Ça va être débile. Sora ? Oui. T'en as un qui te sort 240 par minute. Ah. T'es censé en avoir plus, c'est bien ce que je me disais. Je me souvenais qu'il y en avait plus. Là, ici, c'est un normal, c'est ça ? Ouais. T'as un pur au fond. Attends, c'est lequel ? Celui qui est tout seul ou l'autre ? Celui qui est tout seul. Ok, bon. Toi, t'as pas un deuxième pur de souvenir ? T'en as vraiment beaucoup ici, le pétrole. Installerai une autre raffine. Non, ça va, c'est un normal. T'as que celui du fond qui est pur. Je crois que je décale un petit peu les trucs qui sont là et je mettrai deux autres raffines. Écoute, t'en as 20. Enfin, t'aurais deux autres raffineries. Donc 2 x 40. C'est 8 en tout. Bon, allez, on va couper là, les enfants. 320, parce que. Divisé par 12. Oui. Et deux fois qu'on descend pour me dire. T'en auras 20, t'auras 26. 26 générateurs, Sora. 26 générateurs à faire, bordel. 26 fois 150. Allez, juste pour rire. Ça va être beaucoup, mais ouais, allez. Hein. Voilà, là on est au-dessus. Là, on sera à 3900 MW de production. Uniquement ici, dans cet endroit. La centrale lourde. Sachant qu'on peut t'en donner un deuxième endroit parce que normalement le pétrole. Enfin, normalement il y en a 4 de spots de pétrole, je crois. Je sais plus. On va pas mentir, je sais plus. Mais bon. Du coup, t'as de quoi faire. Et du coup, vraiment, le nucléaire ça va être drôle. Le nucléaire ça va être chaotique. Hein. Thora il va être là, il va paniquer quand il va voir la ligne de production. Quoique, ça se trouve, nous on va faire toute la ligne de production, on va juste amener du pétrole. Enfin, des fuel rods à Sora par train radioactif. Le cadeau empoisonné. T'as un train de 1 sur 1 et il est vert. Il est pour quelle raison? Non, il est bleu. Parce que si on veut vraiment respecter, il est bleu. Du coup, c'est vert. S'il est bleu, c'est pas bon hein, quand même. Mais justement, c'est ça. Il brille en bleu. Il brille en bleu, c'est plus drôle, je trouve. Non, là, c'est pas bon du tout. Mais tu sais que dans le jeu, genre, je crois que tous les conteneurs radioactifs, enfin, tous les conteneurs deviennent radioactifs dès que tu mets de l'air. Genre, on a aucun moyen, on n'a pas de truc plombé. Oui, enfin, de là à faire un effet de Cherenkov, quand même. Écoute. C'est un peu dangereux, non ? Faut qu'on comprenne que le train est dangereux, tu vois. Tu le fais arriver, il brille, enfin, il est bleu. Là, il y a carrément de la fission nucléaire dans ton train. Non, même dans l'air, c'est plus que de la fission. C'est que t'es mort, c'est fini. Tu vois, c'est du polonium du polonium qui est en train de se faire devant tes yeux là. Tu es en train de devenir du polonium. Disons que c'est dans l'air, tu vois la radiation bleue. C'est que soit c'est du césium, et si ça brille trop fort, c'est que t'es en train de devenir radioactif parce que t'es en train d'être activé par le truc qui est en face de toi. C'est que c'est tes yeux qui sont en train de devenir radioactifs. Après tu vois tout qui brille, rip. Tu vois tout qui brille, c'est que tu es mort. Bon, du coup on s'arrête là. Ouais. Pas devant les yeux, dans les yeux. Oui. Du coup voilà. Je vais dire au revoir. Bye bye à tous. Passez une bonne soirée. Bon, j'ai même pas pu raid vu que